Yorana ito tatou whare reira. Maruru no te whare ira mai te ienei titaura a i hamata tatou i tatou uhiko i te ienei awatea, te ienei taper amhana. Maruru, moumero aporarhei, te amui mei te ienei pepeu no te avarir a i tatou uhiko i Vaitupa. No te ienei rurur ana tatou te ienei mhana. Te hinaro nei au e whātea toi te tapa o te alofa i tō tātou mō tā e whaterera o tō tātou whenua. Ia o tō e matai te emei nei, e te moupapa e wea, te orana, maruru i tō tātou wharereira. Te ni nei au, i tō tātou papa i praurhei, ia tei o mai te rata titauga. Monsieur le Président, par lettre datée du 23 septembre 2011 et 26 septembre 2011, cette séance a été convoquée pour le jeudi 29 septembre 2011 à 14h. Donc, je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par M. Jacques Hydrolet. Maruru meite eite aninei au ito tato pape praurhei. Iapi meite o otomo mero aporarhei o te itemei. Madame Algon-Ema, présente. M. Alpha Teari, présent. Madame Big Sabrina, absente. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Buisseau Jean-Christophe, présent. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Chavez-Daphné, présente. Madame Cross-Valentina, absente. Monsieur Jacques Hydrolet, présent. Monsieur Floss-Gaston, absent. Madame Fribourg-Jouel, présent. Monsieur Frich-Edouard, présent. Madame Minari-Galland, absente. Monsieur Anderson, Georges, présent. Madame Hirschon-Lonotea, présent. Madame Eritikeura, présent. Madame Isal Heifara, absente. Madame Jennings, c'est Tony Patricia présent, Monsieur Cocté Benoît présent, Monsieur Comotini René présent, Monsieur Lison Marcelin absent, Monsieur Mamateu Capo Victor présent, Madame Marie-Thérèse Romero Liliane absente, Madame Anouté Lévi Agami Sandra absente, Madame Maria Emma présent, Monsieur Maria Urateina présent, Madame Matawa Leoni présent. Monsieur Matawa Mayron, présent. Madame Mati Juliana, présent. Madame Merceron Armel, absente. Madame Olivier Maris, absente. Madame Opa Afouanik, présent. Madame Pascal Elano, présent. Monsieur Poliet Ekinoui, absent. Monsieur Rapoto Jean-Maris, présent. Madame Richton Monique, absente. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Monsieur Romataro Fernand, absent. Madame Sage Maina, présent. Monsieur Chil Philippe, absent. Madame Dama Françoise, présent. Madame Tani Thérèse, présent. Monsieur Tonso Robert, présent. Monsieur Tiontouroro, absent. Monsieur Tifarevi, présent. Monsieur Temeharu René, présent. Monsieur Terimati Ruben, présent. Monsieur Teripayamita, présent. Madame Tiroatia Sylviane, absent. Madame Tetonu Ilana, absent. Madame Théora Justine, présent. Monsieur Thompson Gaston présent, Monsieur Toahou Ismaël présent, Madame Tuchouvia Catherine présent, Monsieur Outia Damas présent, Madame Vernaudan Béatrice absente et Monsieur Vernaudan Clarence absent. Madame Monsieur Président. Rahia te afarhei o te mautia o te whare aporarhei, nen hei a tatoe whare rei te ienei mhana, te ani nea i te tatou papai prorhei, ya tei o meit mo maiti la tatia procuration. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de M. Romataro Fernand, Mme Mati Juliana, de M. Rivita Frédéric à Mme Irti Teura, de Mme Olivier Marise à Mme Tétoni Jennings Patricia, de Mme Cross Valentina à M. Terimate Ruben, de M. Vernaudan Clarence à M. Mayron Matawa, de Mme Minari Chantal Galnon à M. Jacques Hydrolet, de Mme Bob Dupont-Tamara à M. Outia Damas, de Mme Teruatia Sylviane à Mme Mareya Emma, de M. Tiontouroro à Mme Chavez Daphné, de M. Lison Marcela, M. Terry Payamita, de Mme Téton Nilana, M. Frich Edouard, de M. Flos Gasson, M. Temeharo René, de Mme Richton Monique à M. Comoutini René, de Mme Eroto Liliane à Mme Fribo Joël. Maruru meitei, te aninei au i te tatou papai praurhei, ia tei o mei te tatou tapura hupano te ienei mhana. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, des projets et propositions de délibération et des lois de pays. Voilà les joints. Point 4, examen de la correspondance. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Narira,
E ha tō tātou mana ni ei te etapura, manohari, te tātō ara, maruru mai tei. Wa whārihi a tātou tāpura i te mhana, te hareri a tātou ni ei te piti o te tāpura hupa, mauti rā tamu anira. E ono anira a tō te tamei re tui tō rima, te whaha mana o nei au i a tātou e toru miniti na te tāta i a tei omai tāna anira a, e u whātahia e pē miniti nga te whātere rā hau, no te pahonor aia i a i tātou ture roto. E, hora piti, meiri piti ahuru e mā pē miniti te ienei, e oti tātou prauprau i te hora toru, te atea roa rā hora toru, meiri piti ahuru e mā pē miniti. E no tātou moani rā, te huru o te apapara o te tei o rā, i a i a i te numura i tēme o te whare apora rei. Tō muara, nā mua mai. Tō muri era nā muri mai. Nō rira, te anine i au, te mero apora rei, so Marius Rāpoto, i a tei o mai, tā nā ni rā papai. Maruru pre te teni. S'agit d'une question orale adressée à M. le ministre de l'Éducation concernant la situation des professeurs stagiaires du second degré. Monsieur le ministre, depuis juillet dernier, le système éducatif polynésien est perturbé par la situation des professeurs stagiaires du second degré. Je ne vais pas reprendre la chronologie des événements, nous la connaissons tous déjà. Il en est de même de la source de nos maux, nous l'avons que trop bien identifiée. Néanmoins, depuis le rendu de la décision du tribunal administratif et à la veille de votre déplacement annuel au ministère de l'Éducation nationale, quelles sont les avancées de ce dossier ? Malgré les idéologies politiques divergentes, il me semble que tous les représentants s'entendent à apporter leur soutien aux professeurs stagiaires actuels et futurs. Quelles sont les actions dans lesquelles les représentants tant du gouvernement que de l'Assemblée pourraient ensemble s'inscrire afin d'agir efficacement ? Je vous remercie d'avance pour les éclaircissements que vous voudrez bien nous apporter. Maruru mai te iti mero apora arhei, te aninei ai to tātou whātereheu i a tauhiti nena, i a pahono mai te ene uira, whātereheu ti a oera. Pereti teni, Maruru, no mero no whare apora arhei, no whātereheu, tātou pātoa te amui mei te imana, whani mei tapua no te arofa. Aita, Maruru atoia no te uira, ni aho ai to tātou mō tamari. Monsieur le Président de l'Assemblée, Messieurs les membres, représentants de l'Assemblée, Monsieur le Président du gouvernement, les ministres, chers collègues, bonjour à tous. Concernant la situation des professeurs stagiaires, en 2011, le vice-recteur Monsieur Sirioni adopte une différence de traitement dans l'affectation des professeurs stagiaires créant rupture d'égalité entre les lauréats du concours de CAPES de la session 2011. Pour justifier ce choix, il avance deux critères qui jamais avant le 9 août dernier n'avaient été écrits et qui n'existent dans aucun texte de l'éducation nationale. Ces critères ne sont pas ceux de la note de service numéro 2011-48 du 24 mars 2011. En l'absence de publication préalable de ces modalités, ni les lauréats de concours, ni les syndicats n'ont été en mesure de les discuter. Ici, le vice-recteur a utilisé de manière arbitraire et aléatoire des critères non publiés, entraînant un traitement différent et injuste des fonctionnaires stagiaires. Les professeurs stagiaires, victimes d'une situation résultant des décisions unilatérales et discriminatoires du vice-recteur de la Polynésie française, ne demandaient alors comme le pays qu'une seule chose, que l'État respecte la note de service ministériel mentionnée le 14 avril 2011, puisqu'ils réunissent toutes les conditions fixées par cette note de service, et que les capacités d'accueil des professeurs stagiaires dans les lycées les collèges territoriaux ont été prévus et notifiés en temps utile au vice-recteur. Le fait que l'affectation en Polynésie française des lauréats du concours 2010 se soit déroulée sans aucune difficulté, alors que la note de service ministériel 2010
et était identique à celle de 2011, démontre à l'évidence que les problèmes créés en 2011 par le nouveau vice-recteur l'ont été artificiellement. Dans le droit fil des provocations répétées à l'égard du pays qui ont caractérisé son action dès son arrivée, donc la suite, nous la connaissons. Le 8 août dernier, donc je décide d'affecter par arrêté l'ensemble des 41 lauréats dans des établissements de Polynésie. Le juge des référés du tribunal administratif de Papeete leur indique de respecter ces arrêtés au bénéfice du privilège préalable. Le 8 septembre, le haut-commissaire Richard Didier demande l'annulation des arrêtés concernant les 19 professeurs qui ne figuraient pas sur la liste du vice-recteur. Deux options leur sont offertes. Regagner l'académie qui leur a été désignée par le vice-recteur, moyennant une aide financière et avoir la garantie de retour au Fénois à l'issue du stage. La deuxième, c'est un report exceptionnel de leur année de stage pendant laquelle ils seraient contractuels, ce qui montre bien que nous avons des postes pour les accueillir. Aucune de ces propositions n'est acceptable. La première ne leur garantit nullement le retour au pays dans un an, dans la mesure où ils ne seraient titularisés, donc mis à disposition, seulement après les délais du mouvement national. La seconde proposition est inacceptable car elle les placerait en situation de recul face à l'obtention de leur diplôme du CAPES, sans compter que leur problème ne serait nullement résolu à la fin de l'année scolaire. La semaine dernière, j'ai rencontré les différents syndicats des enseignants du public et du privé. Je souhaitais avoir leurs sentiments sur ce dossier. Tous s'accordent à dire que la situation des professeurs stagiaires affectés hors territoire par le vice-recteur est une injustice et mettent en avant le caractère injuste et brutal de la décision du vice-recteur qui applique un traitement à deux vitesses. Ils sont unanimes pour dénoncer l'attitude du vice-recteur qui reste campé sur ses positions, qui ne relaie à Paris qu'une information déformée et qui s'approprie les textes et les manipule à sa guise. Ils conviennent que la situation des professeurs stagiaires met en lumière un ensemble d'agissements abusifs d'une seule personne. Le commissaire reste le seul interlocuteur possible, que les stagiaires négocient avec le haut-commissaire pour que leur année de stage soit validée. Les perspectives d'action. À ce jour, l'avenir des professeurs stagiaires est suspendu à la décision de justice et ces professeurs stagiaires ont démarré leur année de formation comme leurs collègues. Ils n'ont jusqu'à aujourd'hui perçu aucun traitement. À l'issue des rencontres avec les syndicats, les directions des enseignements primaires et secondaires, j'ai décidé avec l'accord du président du pays qu'une après-midi de mobilisation générale sera prévue pour dénoncer cette situation injuste qui n'a que trop duré. La date du 5 octobre prochain a été arrêtée, mercredi après-midi. J'adresse donc à tous les chefs d'établissement et les directeurs d'école, sous couvert de l'ADES et de l'ADEP, un appel à la mobilisation générale des personnels enseignants et administratifs du premier et second degré, public et privé. Les modalités de cette journée d'action sont définies dans une note de service. Vous avez pour votre part tous manifesté votre soutien au collectif des professeurs stagiaires, du président du pays, du gouvernement, aux représentants et membres de cette Assemblée, des sénateurs, à messieurs les députés, des chefs de parti, aux élus. Toute idéologie politique confondue, vous avez tous dénoncé le caractère inacceptable de cette situation sans précédent. Aussi, j'en appelle à votre solidarité et à votre clairvoyance pour vous associer à cette manifestation dont le but est d'affirmer notre cohésion et notre détermination à préserver les principes d'autonomie établis par la Convention entre l'État et la Polynésie française relative à l'éducation. Par ailleurs, j'ai adressé deux courriers de demande d'audience lors de ma prochaine mission à Paris, la semaine prochaine. L'un à Mme Ponchard, la ministre de l'Outre-mer, et l'autre à M. Châtel, le ministre de l'Éducation nationale.
Le président du pays a par ailleurs rédigé un courrier à l'attention de M. Sarkozy, dénonçant les agissements du vice-recteur et demandant son renvoi. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Éducation, Tohitinena. Monsieur le ministre, lors d'une de vos récentes interventions à l'Assemblée, vous nous avez dit que vous alliez organiser une consultation relative au port de l'uniforme dans les écoles publiques à partir de la rentrée 2012. Je ne peux que vous féliciter de cette initiative qui, j'en suis convaincue, soulagera les finances de nombreuses familles et mettra fin à l'injustice que peuvent vivre les enfants qui n'ont pas les moyens de s'offrir du linge de marque à la mode. Les écoliers des écoles adventistes portent l'uniforme depuis déjà 2 années et personne ne s'en plaint, bien au contraire. Monsieur le ministre, où en êtes-vous par rapport à ce sujet? Ma deuxième question concerne les bourses pour des étudiants qui souhaiteraient continuer leurs études hors France métropolitaine. Accepteriez-vous de leur octroyer des bourses pour ceux qui souhaiteraient, par exemple, poursuivre des études de médecine à Fidji, au Canada, en Nouvelle-Zélande ou encore à Cuba? Sachez qu'il y a plus de 1200 étudiants du Pacifique qui font actuellement des études de médecine à Cuba. Je n'ai pas l'intention de faire l'éloge de ce pays, mais en termes de médecine et d'éducation, on ne peut rien lui reprocher. Je ressens déjà les crispations de ceux qui liront et entendront cette question, mais nous sommes à l'heure de la mondialisation et il est temps, vous en conviendrez, Monsieur le ministre, de revoir la réglementation relative à l'octroi des bourses. Maruru. Maruru et Fadrihel, Yaouera. Hey, Maruru. Donc, concernant l'uniforme à l'école. Le débat sur l'uniforme à l'école refait régulièrement surface au ministère de l'Éducation. L'argument principal est d'atténuer les différences et remettre chaque individu sur le même pied d'égalité à l'heure où les cours de récréation montrent des divergences sociales parfois démesurées. Depuis que l'école est devenue obligatoire, les salles de classe sont le reflet des réalités sociales, surtout dans le secteur public où quasiment tous les milieux sont représentés. Des plus aisés aux plus nécessiteux, ces diversités peuvent conduire à des tensions entre ceux qui ont les moyens d'accéder à leurs désirs et les autres. Mais au-delà de la diversité se pose la question de la décence et du convenable. Qu'est-ce qui est le plus intolérable? Que les jeunes filles exhibent un piercing sur leur nombril, que les jeunes gens s'affichent avec la marque de leurs sous-vêtements, sous des pantalons ou des shorts trop lâchés, ou encore que les tenues sont parfois telles que l'on n'arrive plus à distinguer les garçons des filles. Au regard de ces interrogations, il convient de se positionner fermement pour le port de l'uniforme dans les établissements scolaires. Néanmoins, si, comme vous le mentionnez, les écoles, les parents des écoles adventistes portent l'uniforme sans s'en plaindre, il faut préciser que l'appartenance à une confession religieuse n'autorise pas de polémique sur le sujet. Je tiens à préciser que leur uniforme est à ce jour limité aux t-shirts et polos, ce qui n'est pas le cas de l'école de la République public et laïque, dont les différences ethniques, les différences sociales et vestimentaires font partie. Il est nécessaire donc de lancer une consultation auprès des partenaires directement concernés, les parents et les associations des parents d'élèves, les personnels d'encadrement, proviseurs et directeurs d'école, les enseignants et les communes. Donc ce type de consultation demande réflexion pour éviter toute stigmatisation sur le débat. C'est cette réflexion qu'il faut nourrir avant de lancer de manière brutale un sondage d'opinion. Donc cette enquête est en cours de rédaction et sera diffusée très prochainement dans les services et les établissements concernés. Concernant la deuxième question pour les bourses universitaires à l'étranger, conformément aux attentes
qu'impose le phénomène de la mondialisation, je suis tout à fait favorable à l'ouverture des offres de formation à d'autres territoires que la France métropolitaine. Le texte réglementaire ne fixe aucune restriction quant au pays d'accueil des formations. Pour les étudiants qui souhaitent continuer leurs études hors métropole, des propositions existent déjà. Les bourses universitaires sont offertes pour les filières qui n'existent pas ici, parfois même quand elles existent. La mise en place du TTT Turu Hapira que le gouvernement a mis en place il y a quelques semaines offre la possibilité de poursuivre un cursus universitaire dans la zone pacifique au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays. La bourse majorée est proposée au diplôme MBA, Master of Business Administration. Cette filière, déjà ouverte l'an dernier, n'a fait l'objet d'aucun dépôt de dossier cette année. Concernant les études de médecine, si le pays permet aux étudiants de financer leur cursus par l'octroi d'une aide, il faut rappeler que la contrepartie est l'obligation de retour. Or, il serait dommage d'envoyer nos enfants étudier dans les régions de la zone Pacifique, voire plus loin, s'ils ne peuvent exercer dans leur pays, puisque nous sommes soumis à l'obligation du diplôme français ou européen, du moins pour la fonction publique. Concernant le privé, il conviendrait d'avoir un éclairage du ministère concerné. Pour ce qui est de la mondialisation évoquée ici, nous ne devons pas perdre de vue les réalités et les attentes du terrain. Il appartient au ministère demandeur de proposer des offres bien argumentées. Ceci permettrait au ministère de l'Éducation, favorable à cette demande et à ses services, de prioriser certaines filières. Maruru Maitei. Maruru Maitei Fatrehel. Tianineyao ya Chuti Anderson ya Tai Omaitana Nira. Yana, te dédéni. Te daouira. Ma question orale s'adresse à nos ministres conjoints, M. Jacques Brion, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et des Mines, et à M. Timori Foster, ministre des Ressources Marines en charge des technologies vertes. Au sujet notamment du projet hydroélectrique de la Waïcha. À ce sujet, je dois dire que le pays s'est doté effectivement d'une réelle volonté politique en matière d'énergie qui fixe, et on le sait tous ici, à 2020, la production de 50% de notre électricité avec des énergies renouvelables, puis en 2030 à 100%. Beau challenge. La PPI, la programmation pluriannuelle des investissements du service de l'énergie et des mines, a même prévu, pour atteindre cet objectif, d'intégrer le projet hydroélectrique de Waïcha dès 2014. Sachant les modalités de mise en œuvre estimées entre 30 voire 40 mois, un démarrage des travaux en début 2012 s'avère nécessaire. Connaissant les difficultés extrêmes de nos entreprises locales, connaissant les trop nombreux licenciements, connaissant les nombreux demandeurs d'emploi et souvent de jeunes diplômés de retour de leurs longues et onéreuses études, croisant de nombreux laissés pour compte, venant augmenter l'insécurité, tout ça chargeant inexorablement le régime du RSPF, guettant en vain les investisseurs privés en quête d'apporter le savoir-faire pour créer des activités diverses, pourvoyeuses d'emplois et à terme gommer cette morosité qui mine et tétanise notre économie, messieurs les ministres, rassurez-nous et dites-nous si le projet de la Waïcha intéresse encore notre gouvernement ou pas. Maruru Maitei, Fatrehel Yaouera. Redzeni, Waïnouma, et notre protecteur.
Monsieur le représentant, vous avez raison. Il s'agit bien d'un beau challenge. Et l'histoire politique, malheureusement mouvementée de notre Fénois, a certainement perturbé la mutation nécessaire vers une autonomie que vous annoncez à 50% de la production d'énergie renouvelable en 2020 et une souveraineté en 2030. Évidemment, les mots qui sont choisis, je les ai puisés dans votre question. Vous avez encore, monsieur le représentant, raison lorsque vous rappelez que notre pays traverse une crise et que cette crise impacte nos entreprises locales. Je partage votre analyse. Je crois que tout un chacun ici, nous avons tous conscience de cette situation. Et vous concluez en interpellant le gouvernement en disant « Est-ce que le projet de la Weichia intéresse encore le gouvernement ou pas ?» Bien sûr que ça intéresse le gouvernement. Mais faut-il pour autant résumer la réponse aux difficultés économiques et sociaux que vous évoquez en trouvant la seule réponse avec cette vallée de Weichia? Le choix d'une société plus juste, plus solidaire et plus innovante, plus soucieuse du développement durable, serait-il l'unique question que vous formulez au travers de cette question orale? Je vais donc essayer de vous rassurer et de rassurer la représentation du pays. En 2007, le 10 août, la délégation de la recherche a rendu public une mission qui s'était intitulée en 2007 « Évaluation écologique de la vallée de Papeïha » sous la conduite de trois scientifiques que vous connaissez, Monsieur le ministre, Monsieur Meyer, Marie-Louise et une Polynésienne, Rawahere. Que dit ce rapport? Je vais vous donner quelques citations. Il y a un arbre qui s'appelle le myrcine. Cet arbre, il a été collecté une fois dans la vallée de Papenon en 1930. Depuis, il a complètement disparu de la vallée de Papenon. Nous avons donc perdu dans le patrimoine naturel une espèce endémique. Et le rapport dit « La raison principale repose sur les travaux de réalisation des barrages. » Cette espèce protégée n'est actuellement connue nulle part. Pour autant, lorsque vous faites la remontée de la rivière de la Papeïcha entre 10 mètres et 200 mètres, sur une longueur de 6 km, vous trouvez des espèces remarquables, espèces rares, voire menacées, et qui a été portée dans la catégorie par l'Union mondiale de la nature. Et cette espèce a été intégré dans la liste des espèces protégées du pays par un arrêté. Je vais vous donner le numéro, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les représentants. Numéro 68 CM du 24 janvier 2006. Je vous laisse deviner la suite de mon intervention. Donc le débat qui a été ouvert par ce rapport sensibilise les uns et les autres. Et les discussions qui, à cette époque, au travers de ce rapport sur la Weichia, étaient amenées sur un questionnement que j'ai trouvé extrêmement pertinent et qui posait la question. Si nous devions dédier à la Weichia son utilisation pour l'hydroélectricité, je reprends les éléments. La personne qui pose la question est après Weichia, quelle sera la prochaine vallée? Je voudrais terminer. La personne qui a commandité le rapport, la personne qui a posé cette question, j'étais très rapide, c'est vous, Monsieur Anderson. Et je vous rends grâce d'avoir intégré dans le patrimoine du pays pour que nos enfants ne puissent à jamais perdre la spécificité des espèces qui composent aujourd'hui notre vallée de la Weichia. Vous avez été à ce moment-là responsable jusqu'au bout. Donc la préoccupation que nous avons aujourd'hui, et je voudrais continuer sur la programmation pluriannuelle des investissements, c'est une base de travail qui est tout à fait intéressante. Et rapidement, cette prévision s'articule autour des énergies renouvelables, dont l'hydroélectricité,
a été fortement indiqué. S'en rendrait maintenant dans les méandres des appétits, parce que derrière ce projet, il y a des appétits financiers. Suivez mon regard. Les intérêts économiques ne seront pas nécessairement pour le consommateur à la fin, lorsqu'il faudra payer le kilowattheure. Maramanoui nous donne aujourd'hui suffisamment d'indications. Ce n'est pas le consommateur qui bénéficie à la fin. Donc, la migration de cette PPI, et je vais vous soumettre les modifications que j'ai commencé à travailler avec les autres ministères le plus tôt possible pour que nous ayons un vrai débat autour de ces choix d'énergie et de ces choix stratégiques d'énergie. Enfin, il me semble que c'est important qu'agir localement, nous devons aussi penser globalement. Certes, le phénomène Maui est important, mais autour de nous, le PROE, le programme régional océanien, vient de rappeler à l'ensemble des États du Pacifique et des collectivités la nécessité urgente de définir un plan climat. Et de ce plan climat, nous avons l'obligation, en juillet 2012, de le porter à la conférence mondiale Rio plus 20. Et dans ce plan climat, nous intégrerons la mutation nécessaire de notre PPI. Au centre des modifications dans lesquelles j'aspire, et en relation avec les préconisations du PROE, la question des économies d'énergie, notamment par rapport aux hébergements, aux transports, il y a besoin de réduire. La seconde recommandation, c'est de porter notre effort sur l'utilisation des énergies nouvelles. Et les énergies nouvelles comprenaient par là l'utilisation des déchets pour en faire de l'électricité. La fin de vie de Paihoro est programmée d'ici une quinzaine d'années au maximum. La méthanisation a un avantage. Elle consomme l'énergie dégagée par ces déchets, mais malheureusement ne réduit pas le volume. Il faut donc réfléchir dès maintenant aux différentes techniques qui sont développées, que vous connaissez, la méthanisation, la gazification, la pyrolyse, l'arc électrique, qui sont des technologies aujourd'hui dont la vocation première, c'est de consommer les déchets pour produire de l'électricité, ce qui permettrait aux communes d'équilibrer entre les obligations qui nous sont imposées par la CGCT et le besoin de pouvoir fournir de l'électricité sans être encore dépendant vis-à-vis du pétrole. Donc, de ces perspectives, il y a un autre volet qu'il faut continuer à travailler, et je félicite le gouvernement d'avoir repris à son compte le SWAC qui doit fournir le frais pour l'hôpital de Taonnet. Nous allons réduire la consommation d'électricité. Enfin, faut-il rappeler que notre Fénois est entouré d'eau et que l'hydrogène sont des perspectives de développement qu'on ne peut plus balayer d'un revers en disant « c'est pas possible ». Voyagez un peu à l'extérieur, allez en Norvège, vous verrez que les autobus, que les véhicules fonctionnent maintenant avec l'hydrogène. Ce sont des technologies qui se développent très rapidement. Enfin, je voudrais terminer, monsieur le représentant, mesdames et messieurs, par une toute petite réflexion, parce que je suis un écologiste. Et bien souvent, les écologistes ont eu le tort d'associer énergie renouvelable à énergie propre, ce qui est absolument faux. Une énergie renouvelable, comme toute énergie, a des avantages, mais aussi des inconvénients. Le photovoltaïque a un avantage extraordinaire, mais la fin de vie des batteries pose la question de la gravité du traitement de ces batteries qui sont arrivées en fin de vie. Il y a des avantages, mais on ne peut pas se voiler les yeux, on ne peut pas se cacher les yeux uniquement en se réfugiant derrière l'idée que c'est du renouvelable. Enfin, nos Indiens, ceux d'Amazonie, partout dans toutes les conférences internationales, nous interpellent en disant la disparition de certaines espèces végétales, à partir desquelles ils fabriquaient leurs médicaments. Aujourd'hui, les chercheurs essayent désespérément de reconstituer ce patrimoine
pour pouvoir tout simplement leur permettre de vivre. Je crois que la Vaisha doit nous interpeller. Rana. Monsieur le Président, l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et des médias, Mesdames et Messieurs les collaborateurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier notre représentant d'avoir posé cette question et en propos liminaire, je voudrais dire à notre représentant qu'il en soit rassuré. Le gouvernement s'intéresse au plus haut point au projet d'aménagement hydroélectrique de la vallée de la Vaisha. La création d'un portefeuille en charge des énergies vertes auprès du ministère des Ressources marines en est le premier signe, car les énergies renouvelables comme les ressources marines relèvent du secteur primaire, secteur que le gouvernement a placé au cœur du projet de développement durable de notre pays. C'est donc en ma qualité de ministre chargé de ce portefeuille que je réponds en premier à vos interrogations, Monsieur le représentant. En préalable, je tiens à rappeler avec force l'importance que le gouvernement attache à la promotion des énergies renouvelables avec pour objectif de réduire en premier notre dépendance énergétique à l'égard des énergies fossiles et de rééquilibrer notre balance commerciale, d'assurer ensuite de meilleures conditions de vie et de confort à nos populations vivant dans les îles éloignées, d'équiper enfin les zones les plus écartées des réseaux de distribution pour offrir à tous l'accès aux services publics de l'énergie. Le projet d'aménagement de la Vaisha s'inscrit dans cette problématique et je vous confirme tout l'intérêt et l'importance que j'attache à sa réalisation. Durant ces quelques mois, j'ai pris le temps d'en mesurer les enjeux par des visites sur site, des rencontres avec les différents acteurs de ce projet, propriétaires, riverains, associations, institutions, opérateurs potentiels, et la liste est longue. Je me suis aussi attaché à recueillir les conseils et avis des professionnels et spécialistes. Ainsi, lors de ma première mission à Paris, j'ai rencontré tant au ministère de l'Outre-mer qu'auprès d'organismes œuvrant dans le domaine des énergies renouvelables, des spécialistes qui m'ont sensibilisé sur les avantages et la fiabilité de la filière hydroélectrique en matière de production d'énergie renouvelable. Pour les deux ou trois décennies à venir, elle demeure la seule alternative sérieuse aux énergies fossiles. Pour répondre maintenant plus précisément à vos interrogations s'agissant de l'aménagement de la Vaisha, un bref historique me permettra de mieux cerner la genèse de cette opération avant de vous informer de l'état d'avancement du dossier de cette opération. Le 10 mai 2007, suite à l'avis positif de la Commission de l'énergie, la société EDT était autorisée par le Conseil des ministres à mettre en œuvre un aménagement hydroélectrique d'une puissance de 14 MW dans la vallée de la Vaisha. Le 30 mars 2009, la société Maramanui élaborait une demande de concession force hydraulique pour l'aménagement de la vallée de la Vaisha, accompagnée de sa notice d'impact environnemental conformément au cadre réglementaire fixé par l'arrêté 150-CM du 27 février 1985. La proposition de la société Maramanui fut étudiée le 5 juin 2009 par la Commission des forces hydrauliques, présidée par le ministre en charge de l'énergie. Le tarif de 25 francs kWh demandé par la société pour cette opération fut jugé prohibitif, compte tenu d'une aide à l'investissement de l'ordre de 49%. La Commission émit alors donc un avis défavorable. Je rappelle que le prix actuel est fixé à 12,06 francs le kilowattheure, entraînant de ce fait le rejet
de la demande par le ministre en charge de l'énergie à l'époque. En novembre 2010, le ministre en charge de l'énergie décida de confier à un bureau d'études métropolitain spécialisé dans le domaine de l'hydroélectricité une mission d'assistance pour l'élaboration d'un cadre technique en vue d'une consultation pour l'attribution d'une délégation de service public du projet de centrale électrique hydroélectrique de la Papeïa. L'objectif visé consistait à construire un cadre de consultation en vue de la mise en concurrence d'entreprises susceptibles de réaliser l'équipement hydroélectrique de la Papeïa, et ce, dans l'optique de la mise en place d'une délégation de service public conformément au texte en vigueur, loi de pays numéro 2009-21 du 7 décembre 2009. Ce cadre devait définir les aspects techniques, environnementaux, réglementaires et administratifs de manière suffisamment précise pour que les pétitionnaires puissent élaborer des offres comparables contre elles et conformes aux attentes et priorités du pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le 18 août dernier, j'ai présenté une communication au Conseil des ministres, retraçant l'historique et les aléas de ce projet, mais insistant aussi sur son impact en termes d'aménagement et de l'espace et de retombées économiques. Le Conseil a pris acte de ma proposition d'approuver, par arrêté du président, le principe d'une délégation de service public visant à confier à un opérateur économique la réalisation et l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'usine génératrice destinée à l'utilisation des ressources hydrauliques de la vallée de la Papeïa. Parallèlement, il m'est apparu nécessaire de réactiver au terme d'une nouvelle convention en cours de rédaction l'étude confiée au bureau d'études métropolitain, étude qui n'a pu être achevée dans les délais impartis, en l'élargissant au volet hydraulique, hydrologique et environnementaux afin de mieux prendre en compte les contraintes locales de ce projet. Nous devrions ainsi disposer d'une étude d'impact et de faisabilité dès le début de l'année prochaine, permettant de décider, en toute connaissance de cause, les suites qui s'imposeront pour mener à bien cette opération. Qu'en sera-t-il demain? Pour ma part, je ne peux qu'espérer et croire que la raison l'emportera sur la passion dans cette affaire. L'impact économique attendu de cette opération permettra, dans le respect des contraintes environnementales, le développement durable et harmonieux de cette vallée, tout en répondant à notre volonté d'une amélioration significative de notre capacité de production d'énergie verte. En effet, c'est plus de 24 millions de kilowattheures qui pourront ainsi être produits localement de façon durable, dans le respect de l'environnement et permettre l'alimentation en électricité de plus de 8000 foyers polynésiens. L'impact positif qui découlerait de ce projet sur l'équilibre du compte spécial Fonds de régulation des prix des hydrocarbures est important. En effet, l'aide apportée aux consommateurs d'électricité via ce fonds est actuellement de 10,798 francs par litre de fioul utilisé par les groupes électrogènes de la Punaru, au cours actuel du fioul et du tarif de vente de l'électricité. Ces 24 millions de kilowattheures versent, soit 6 millions de litres de carburant, représenteront une économie annuelle de 260 millions pour le FRPH, dont vous connaissez là tous la situation, pour une production d'énergie correspondant à 5% de l'électricité produite à Tahiti. En matière d'emploi, la réalisation du projet générera la création de 50 emplois permanents pendant la phase des travaux de 2 ans environ. En dépit de quelques résistances, il convient de rappeler que cet aménagement est désiré par une majorité des propriétaires riverains, conscients que ce projet est conçu dans une perspective de développement durable pouvant servir de référence pour l'avenir. En effet, le projet de développement de la vallée s'appuie sur la création d'une société anonyme, SDV, Société de développement de Vaiha, regroupant les propriétaires de la vallée autour des objectifs suivants. Réaliser un projet de fourniture d'eau potable pour les habitants implantés à la mouchure de la rivière, mais également pour les communes de Terapu Est et Hitia, si ces dernières se montrent intéressées.
développer l'agriculture par le désenclavement de 50 hectares de terres agricoles, restaurer des marais, grottes et autres sites culturels, et enfin développer l'écotourisme, piste de randonnée. L'impact de ces projets sur l'emploi local est indéniable, compte tenu des activités visées. Le nombre de créations d'emplois durables hors travaux est évalué à une quinzaine par l'Association des propriétaires. Certes, beaucoup reste à faire. Nous devrons encore convaincre les hésitants. Nous devrons revoir ce projet avec l'ambition de réaliser une opération exemplaire qui n'entrave pas le développement économique de la vallée, mais sans pour autant détruire son équilibre environnemental. Je peux vous assurer de mon total engagement dans cette opération et de ma conviction qu'elle ne peut être bénéfique qu'être bénéfique pour notre pays et nos populations. J'espère, Monsieur le représentant, avoir répondu à vos interrogations. Maruru à tous pour attention. Maruru maitei te whatarehau, daronei au e hapapuia o rua, i roto i te whanhora o tātou ture roto, o whaatahia e pēminiti no te pahonora. E te anito anei au, te anito anei au i te meroa porarhei, i anin e tātou i tātou moanira i hei anihia e piti whatarehau. Ani no atu hoe, warawai no e hoe e pahono atu, ariri mei te teipai a tatu. No te whaharira i ta tatu ohi pai mua, hina aroro e hapa pui to tatu hoa i a Jean-Christophe Guisou, ai ta pato o e tari e i whaaro o mai tei, wa whaite atua i a oe e horo aro i te paraparau i a i te tapurar a i ta oto muani a i te whare aporar hei. Te e i atu tumu i paraparau e i ratou na mua. Mei te peura, ai tō e maro maro mō mei te etiri o teiti, te hapapu nei au nā rote etiri o Frani. Je vous ai expliqué avant de commencer que je donnais la parole aux différentes questions orales en fonction du numéro d'inscription au secrétariat à l'Assemblée. Vous avez été le dernier à poser votre question, vous serez donc le dernier à parler. Norira, René Kohumwetiri, Urua, Edouard Fritsch, Tia Uruara. Nene ane urua e propro, arere tauma i te tei ni te tei, e na feta urua hiba. René, tia oe. Merci, Monsieur le Président, et recevez mes salutations de 15h07. Et je salue également Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, les mêmes salutations. Alors, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du développement des archipels et des transports interinsulaires, Monsieur Daniel Hellem. Monsieur le ministre, les élus des Marquises ont été destinataires d'une série de courriers émanant de la société Air Tahiti à l'attention du président de la Polynésie française, Monsieur Oscar Temaru, et du président de la communauté des communes des Marquises, Monsieur Joseph Kaiga. La lecture de ces courriers ainsi que la note sur les dessertes de désenclavement opérées par Air Tahiti nous confirme que les rotations effectuées en Twin Otter et en Beach pour assurer la liaison inter-île des Marquises des Tuamotu de l'Est et l'atoll Tapataki sont structurellement déficitaires. Ce n'est effectivement qu'une confirmation et le déficit engendré sur certaines lignes était jusqu'à présent compensé par un système de péréquation sur les lignes largement bénéficiaires. Dans sa note, la compagnie aérienne locale fait état d'un déficit prévisionnel d'un peu plus de 420 millions pour l'exercice 2011 sur les seules dessertes que j'ai citées et annonce qu'elle ne pourra pas à l'avenir continuer à assurer ces dessertes sans participation financière des collectivités que sont la communauté des communes, la Polynésie française et même l'État. Les difficultés prévisionnelles de la compagnie seraient également dues à la remise en cause par le pays
à partir de 2012 de l'application à Air Tahiti des dispositions du fonds de péréquation du prix des hydrocarbures dans un contexte d'envolée des prix de kérosène. Nous aimerions donc avoir la position du gouvernement sur ce dossier, compte tenu du fait que les chiffres avancés par Air Tahiti ne concernent que les dessertes déficitaires, sans aucune indication sur les éventuels bénéfices sur les autres lignes et d'ailleurs sur les dividendes versés aux actionnaires jusqu'à un passé récent. La question d'évidence porte sur la volonté, voire la possibilité du gouvernement de soutenir financièrement la compagnie Air Tahiti pour qu'elle puisse continuer ses dessertes de désenclavement des îles et atolls les moins peuplés ou, à défaut, de sa capacité à convaincre la compagnie de continuer ses dessertes sans apport des collectivités. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Maruru, retiteni o te apurarhei, te mau hua whaterehau, te mau mero o te apurarhei, te mau papaivea, hua here mā, e orana, whari I mai, te tāpoa no te aroha. Messieurs les représentants, le transport aérien domestique, outil fondamental du développement économique, social et culturel des cinq archipels de la Polynésie française, relie les 47 îles pourvues d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Votre question relative aux dessertes de désenclavement, fort légitime en raison de son impact sur la circulation des biens et des personnes au sein de la Polynésie française, doit être examinée à la lumière des liens contractuels tissés entre le pays et l'opérateur en activité. À ce jour, la desserte régulière des îles relève de la Convention numéro 9.00970 pour le développement harmonieux du transport aérien interinsulaire, conclue avec la société Air Tahiti le 5 octobre 1990 pour une durée de 25 ans, renouvelée par deux fois et dont l'échéance est désormais fixée au 31 décembre 2011. Un premier appel à candidature a été lancé suite à la décision du Conseil des ministres du 14 septembre 2010. Il s'agissait de déléguer le service public aérien interinsulaire de la Polynésie française sous forme de concession de services publics aux risques et périls du concessionnaire pour une durée de 15 ans, tel que défini dans le rapport numéro 163.10 PR du 13 septembre 2010. Toutefois, la démarche a été déclarée infructueuse par arrêté numéro 635 CM du 13 mai 2011. Suite à la communication du 23 juin 2011, le Conseil des ministres a opté pour une délégation de service public global, décision prise par arrêté numéro 1161 CM du 9 août 2011. Une nouvelle procédure d'appel à candidature est donc actuellement en cours. Les principaux éléments de ce nouvel appel à candidature sont, premièrement, les missions de transport aérien interinsulaire sont déléguées sur la base d'un cahier des charges et d'un programme minimal de vol établi de façon à assurer le désenclavement et le développement économique, social et culturel des archipels pour une période maximale de 10 ans. Deuxièmement, le délégataire doit être en mesure d'assurer une continuité de service en disposant d'une flotte d'avions aptes à répondre sans interruption de service aux exigences du programme minimal de vol en termes de fréquence, de sièges offerts, de fret et de courrier. Troisièmement, le délégataire doit rechercher la meilleure des productivités afin d'offrir des tarifs aériens hors taxes
favorable aux usagers. À cet égard, il soumet à l'approbation du Conseil des ministres des propositions de tarifs de passagers et de fret hors taxes, lui permettant d'assurer l'équilibre de l'exploitation dans le cadre d'une péréquation interne à la société et de constituer les capacités d'autofinancement nécessaires aux investissements. Au regard de ces éléments, vous constatez que le gouvernement laisse la porte ouverte aux négociations. Cependant, celles-ci ne pourront intervenir qu'après le dépouillement des offres qui aura lieu le 6 octobre 2011. Aussi, je ne peux malheureusement pas évoquer davantage de détails sans enfreindre la confidentialité de la procédure en cours. Maruru Tfaro Rami. Maruru Fatrehel, Tianineyao Yateari Alpha, Yatei Omeitananida. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, chers collègues, le public, la presse, Yorana. Ma question s'adresse au président de notre pays et à Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le président absent, Monsieur le ministre des Finances, depuis quelques jours, vous tâchez de défendre à corps et à cri l'utilité d'un emprunt à l'organisme social du pays, celui où tous les salariés et cotisants de notre pays ont apporté leur contribution en vue de disposer dans quelques années d'une retraite digne de ce nom. En parallèle, vous nous soutenez, mordicus, que le pays a les moyens de tenir ses engagements et d'assurer les dépenses obligatoires que sont notamment la paye des fonctionnaires. Vous nous annoncez enfin, après nous avoir vendu l'utilité presque magique du plan de redressement pour débloquer des prêts, que l'AFD n'aurait toujours pas débloqué la seconde tranche de son prêt, mais que, quoi qu'il advienne, le prêt de la CPS permettrait de réinjecter des crédits dans la relance économique d'ici la fin de l'année, pour donner enfin de l'activité à nos entreprises, dont le courage dans ce contexte est à saluer. Relance dont vous nous parlez depuis le jour de cette motion du 1er avril, mais que nous n'avons toujours pas vu venir. La presse nous annonçant même récemment que le privé investit plus que le public. Permettez-moi tout d'abord de vous annoncer quelques vérités. À fin 2010, le déficit de la CPS se portait à 16 milliards de francs. Le régime de retraite était également à fin 2010 déficitaire. Qu'il faut entre 3 et 6 mois pour engager des opérations enregistrées dans la section d'investissement de notre budget. Que la trésorerie et encore moins le payeur ne connaissent les divisions fonctionnement-investissement lorsqu'il s'agit de garantir le paiement des dépenses obligatoires. Face à tous ces éléments et à vos propos qui semblent manquer de clairvoyance, nous nous posons des questions sur la situation réelle des finances du pays, en engagement, en prévision et en trésorerie. Pendant que celui qui est censé tenir la barre à vos côtés continue à se balader aux frais du contribuable, nous, élus de l'opposition, nous nous interrogeons et attendons bien plus que quelques réformettes de la reprise du travail et des projets que vous êtes en train d'essayer de lancer. Reprendre également les propos du CESC, arrêter de faire du simple copier-coller de la métropole pour redresser notre pays. Monsieur le ministre, parce qu'il nous est impossible d'obtenir des réponses d'un président absent et déconnecté de la réalité, vous voudrez bien nous faire un état objectif et complet des finances du pays en engagement, en liquidation, en perception et en trésorerie. Ceci pour éclairer les élus de notre hémicycle. Et si le président nous entend et nous voit à travers Internet, Monsieur le Président, te arufa yarhe. Maruru. Maruru Maitei, dans la question qui m'a été remise, c'est le président de Ma'uhinui. Maruru, président, te auru arapahunura. Bien, je voudrais saluer avant tout tous les représentants, Monsieur le Président, chers collègues ministres, chers représentants. Vous avez dressé donc un tableau de la situation que vous nous avez laissée. Au moins, c'est honnête. Dites à votre voisin d'arrêter de secouer la tête, c'est bien vous qui l'écrivez. À fin 2010, je n'étais pas à ma place ici. Alors, et vous annoncez comme ça vos vérités et votre analyse. S'il est vrai que en ce qui concerne la deuxième tranche de l'AFD, la situation n'a pas encore été débloquée. Je puis vous assurer à l'ensemble des représentants que M. le commissaire a adressé le courrier demandant le déblocage de la deuxième tranche.
Vous le savez, dans les conditionnalités, il fallait que l'État ici se positionne pour ensuite donner le feu vert à Paris pour procéder au versement. Cela est fait donc depuis le milieu de la semaine dernière. Et bien entendu, nous attendons que Paris prenne les dispositions pour permettre à l'AFD de procéder au versement de la deuxième tranche. Ce qui concerne le prêt CPS, je crois que les décisions seront prises demain. Ce dont j'ai été informé, une commission s'est tenue ce matin, car à l'image de l'Assemblée, il dispose également d'une commission sur les placements, et cette commission aurait statué à la majorité au déblocage du prêt de 5 milliards. Il ne s'agit là que de la commission. Donc une majorité s'est positionnée pour dire oui. Vous comprendrez que j'en dirai pas plus. Je préfère laisser les partenaires terminer leur procédure, notamment de la rencontre demain matin au niveau du Conseil. Alors permettez, avant que j'aborde la question précise sur la situation des finances, d'apporter quelques rectificatifs. Lorsque vous dites que le déficit de la CPS sous votre mandature à fin 2010 se portait à 16 milliards, soyons précis, il s'agit de la branche maladie du RGS, du déficit cumulé. Ensuite, que le régime de retraite était également à fin 2010, là aussi, nous parlons d'une situation soit de l'année, soit si j'essaie de comprendre un déficit cumulé, ce n'est pas possible. Quand on ne peut pas avoir d'un côté 56 milliards de réserves et avoir un déficit cumulé d'autant. Donc il y a bien des dispositions, mais ça, il faut bien connaître les comptes sociaux. J'ai eu la chance d'y avoir été pendant plus de 15 ans, donc je connais bien l'organisme. Ensuite, sur mon manque de clairvoyance, cela est fort possible, à moins que nous n'ayons pas les mêmes champs de vision. En tout cas, en ce qui me concerne, si j'ai à gérer la situation des finances publiques du pays, je n'ai jamais critiqué l'action de mes prédécesseurs, y compris lorsqu'ils m'ont laissé un état des plus catastrophiques. J'en veux pour preuve. La situation donc du bouclage des emprunts pour l'investissement de 2010 à fin 2010 n'était pas encore réalisée, car il était établi sur les prêts AFD. Il a fallu qu'on débloque les fonds pour de l'investissement en 2010 en 2011. C'est vous dire. C'est vrai qu'on peut dire que je ne suis pas gâté. Mais enfin, je n'allais pas accuser mes prédécesseurs. Il fallait bien prendre le train en marche et essayer de redresser au mieux. Pour ce qui concerne les engagements et liquidations, je vais vous donner les chiffres, mais je doute fort que vous les acceptiez, par principe. Alors, en ce qui concerne donc les engagements en section de fonctionnement, hors écriture d'or des dettes, les engagements 74 milliards, 350 millions. La liquidation 54 milliards, 866 millions. Je vous dis, donc on est à 70% en termes d'engagement et en termes de liquidation, 52%. Mais ça suit son cours, bien entendu. Pour ce qui concerne la section d'investissement, nous avons donc en engagement 32 milliards. Et comme vous le vice-président l'a dit en ma présence lorsque nous avons reçu la presse, nous avons bien entendu rappelé que la situation des liquidations avait atteint 10 milliards et que nous espérons qu'en termes de fin d'année, on puisse doubler le montant de la liquidation. Ce sont des choses écrites, vues, sues et divulguées dans la presse et au-dessus de tout le monde. Il n'y a rien de caché, vous voyez. Donc voilà la situation donc, d'engagement et de liquidation. Alors, la trésorerie. Vous savez, l'année passée, j'avais moi-même posé la question et la réponse magnifique, c'était « elle évolue au gré du jour ». À l'heure actuelle où je vous parle, elle bouge encore. Car bien entendu, les services financiers travaillent. Et donc, elle liquide lorsque les factures arrivent. C'est la logique. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le pays a un engagement le 3 octobre pour payer la première annuité sur les emprunts passés. Le pays tiendra cet engagement. Et en ce qui concerne les salaires des fonctionnaires de cette fin de mois, le pays paiera ses salaires. Voilà les enjeux précis. Donc le 3 octobre, nous avons rendez-vous avec les financiers pour payer le remboursement des premières annualités d'emprunt. Rassurez-vous, je tiendrai les engagements de paiement.
Merci. Maruru Maitei, Carrera Tatun Yetianira Hopea, Natemiroa Porale, Jean-Christophe Bissou, Atai Omaita Oyanira. Maruru Maitei, Yorana. Monsieur le Vice-président, Messieurs, Madame les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public, bonjour. C'est une question qui est adressée au vice-président et à Monsieur Louis Frébault, ministre du Logement, mais au vu de la longueur des réponses du gouvernement, je vais l'adresser directement au ministre chargé du domaine. Monsieur le ministre, lors d'une interview qui a été donnée à un quotidien de la place le samedi 24 septembre dernier par le vice-président du gouvernement, lequel tentait d'expliquer pourquoi seulement 2 milliards de francs auraient été consommés en 2011 sur une enveloppe de 8 milliards de francs de projets d'investissement public. Pourtant, il y a plus de 3 000 dossiers en souffrance à l'OPH, selon des chiffres qui nous ont été communiqués, soit bien plus de 10 000 personnes qui attendent désespérément un logement. Et nous le savons tous que trop bien. À côté de cela, on se demande bien où vont devoir s'exiler les familles de la commune de Farah, puisqu'au travers de sa conférence de presse, il a mis l'accent sur une position politique qui aurait été prise, lesquelles familles vivent aujourd'hui dans des conditions, vous le savez, d'insalubrité. Et je le rappelais, le maire, mais aussi président du gouvernement de la Polynésie française, a déclaré sa volonté de ne plus construire de logements sociaux dans cette commune. Les projets actuels sont pour certains bloqués et d'autres tardent à se concrétiser, faute de financement réel inscrit au budget de 2011. L'Office polynésien de l'habitat n'aura entamé la construction que de 250 logements, manifestement. Et le gouvernement nous annonce que pour l'heure, les 20 projets de lotissement prévus en 2012, pour un coût total de 12 milliards de francs, n'en sont encore qu'au stade des études. Aussi, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous donner des garanties de votre action présente et à venir concernant la bonne réalisation dans les délais impartis de tous les projets que vous nous avez annoncés? Et comment est-ce que vous comptez financer ces programmes, bien sûr, si le pays ne parvenait pas à obtenir les prêts nécessaires? On vient de parler de la CPS, mais je présume que ça va au-delà du simple prêt de la CPS, qui est un prêt de 5 milliards de francs pour financer toute une gamme d'opérations prévues au budget 2011. Donc c'est la question que je souhaitais vous poser. Je vous remercie de votre réponse. Monsieur le représentant, je vais tenter de répondre à vos interrogations avec les éléments suivants, ne faisant cependant référence qu'au volet logement social de l'enveloppe dont vous faites mention au titre des projets d'investissement public pour 2011. Vous qui avez été ministre du logement avant moi, comprenez le défi qui doit être relevé. Les 3 000 dossiers en souffrance à l'OPH, soit 10 000 personnes, comme vous l'avez rappelé, attestent des difficultés rencontrées par mes prédécesseurs et par moi-même dans la mise en œuvre du programme de logement social sur notre territoire. Comme vous le savez, les points bloquants fréquemment rencontrés sont en tout premier lieu le manque de foncier disponible, qui impose de densifier l'habitat dans les zones les plus encaissées, mais en restant dans le respect des termes A et des termes B que vous connaissez dans le logement social. Et hélas, le refus parfois catégorique des riverains qui s'opposent aux projets sociaux, comme cela a été le cas pour le projet Bougainville et plus récemment pour celui de Mahine,
de Mahina Téa, largement relayée par la presse. En outre, puisque vous mentionnez les programmes logements sociaux de la commune de Faa, tels que celui de Hotouaria, je tiens à vous rassurer, ils sont maintenus. Ils devront être revus afin d'intégrer la vision du président qui tient à favoriser le logement individuel. Celui-ci correspond mieux au mode de vie des Polynésiens. Des nouvelles simulations prenant en compte ce nouveau critère sont actuellement en cours par l'OPH. Elles détermineront la faisabilité du changement de cap. Pas toujours possible, toujours dans le respect de terme A, terme B. En concordance donc avec les textes qui régissent le logement social. Et comme je l'ai rappelé, une nouvelle ligne a été inscrite au contrat de volet logement, l'habitat dispersé. Rien que pour cette année, nous avons inscrit, et c'est acquis par le pays et l'État, 118 logements à construire en 2011 en habitat dispersé pour traiter les RHI, dont celui de Faa. Et à partir de 2012, nous avons 400 logements, toujours en habitat dispersé, dans le contrat de projet, qui n'était pas jusqu'à présent. Maintenant, ça a été acquis, tout le monde est d'accord. On ne peut pas traiter seulement les RHI en construisant sur place, mais on pouvait leur offrir l'habitat dispersé pour ceux qui ont des terrains à l'extérieur, soit dans les îles ou dans les communes de Tahiti. Et ensuite, donc, tous ces changements seront validés par la commune, validation commune État-Pays, qui devait avoir lieu dans les prochains comités opérationnels, les COMO, et le comité de pilotage. En ce qui concerne le financement des projets pour 2011-2012, en ce qui concerne le financement pour l'OPH, c'est acquis. Le prêt des 20% de l'OPH, c'est acquis par le prêt AFD. Nous avons une enveloppe de 11 millions d'euros qui ont été ventilés sur ces projets prioritaires, comme l'a dit notre ministre de l'Économie tantôt. Donc la liste des opérations qui vont être lancées ont été communiquées aux partenaires. Donc ils savent quelles sont les opérations. En ce qui concerne l'OPH, le financement est acquis et c'est inscrit donc au contrat de pilotage qui va se tenir dans les semaines qui viennent. Voilà, monsieur le représentant. Maruru maitei, wohope tatatu tapura hepa no tumo onira papai, e te hamatara tatu i te tuata papai tumo tumu brau i tapohia no te ienei mahana e ono ananhei. Hamatara mei tatu nani i te tumu brau numore hanere ono, no te imat hei te piti tatu ni ahuru e maho e te aninei au, ia benoa, kautai, takaiti, tia oera. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues de Orana. Par lettre 5069-PR du 19 août 2011, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen à l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification de certaines dispositions du livre 2 du Code des postes et télécommunications. Le paysage des télécommunications polynésiens a connu d'importants changements ces dernières années, impulsés par l'ouverture du marché à la concurrence et des avancées technologiques sans précédent dans la très attendue mise en service du câble sous-marin Honotua. Ce sont autant de challenges économiques et intellectuels en perspective pour les professionnels des télécommunications qui n'ont pas été anticipés en 2003 lors de l'adoption du Code des postes et télécommunications. L'objet du présent projet de loi du pays est de sauvegarder la qualité de la loi en remaniant l'article D212-10 du Code des postes et télécommunications qui constitue l'un des piliers du droit des télécommunications en Polynésie française. Cet article fixe en effet des obligations de principe auxquelles doivent se soumettre les personnes physiques ou morales procédant à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public des services de télécommunications.
Ces obligations concernent notamment la procédure d'autorisation des opérateurs, les règles cumulatives ou alternatives contenues dans leur cahier des charges, la durée de leurs droits d'accès et les modalités du renouvellement de leurs autorisations, plus communément appelées licences. Ces lignes directrices de la réglementation des télécommunications sont désormais confrontées à des difficultés d'utilisation auxquelles il est nécessaire de remédier. Plus précisément, l'article D212-10, actuellement en vigueur, énumère dans son premier paragraphe les 15 prescriptions que doit contenir de façon cumulative ou alternative le cahier des charges de tous opérateurs. Cet article renvoie également à l'adoption d'un arrêté en Conseil des ministres pour fixer les dispositifs relatifs à l'instruction des demandes d'autorisation. Il prévoit dans son second paragraphe la durée de l'autorisation accordée aux opérateurs par les autorités polynésiennes et les conditions de renouvellement de cette autorisation. Cette dernière est délivrée pour une durée de 9 ans aux opérateurs de réseaux de télécommunications internes et 20 ans à l'opérateur de réseau de télécommunications extérieures. Le présent projet de loi du pays reprend ces dispositions, les modifie et les structure en 3 paragraphes. La nouvelle rédaction de l'article précité soumet l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public des services de télécommunication à des obligations de principe reprises de façon systématique dans le cahier des charges de tout opérateur dûment autorisé. L'article LP 212-10 qui nous est proposé prévoit une personnalisation du cahier des charges au moyen de clauses particulières adaptées aux spécificités du réseau et des services de l'opérateur concerné. Les obligations particulières seront fixées par arrêté pris en Conseil des ministres et s'ajouteront aux clauses types. Le projet de loi du pays modifie aussi la procédure d'autorisation qui consistera désormais en appel à candidature octroyant au candidat retenu une qualité d'opérateur de télécommunication. Cette procédure, qui sera fixée en détail par arrêté pris en Conseil des ministres, s'explique par la nécessité de veiller à la concurrence effective et loyale du secteur des télécommunications au bénéfice de tous. L'opérateur autorisé à l'issue de l'appel à candidature demeurera assujetti au paiement d'un droit d'accès forfaitaire dans les conditions prévues par le Code des impôts, article 339-1 à 339-3. Les demandes complètes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi du pays demeureront régies par la procédure d'instruction actuelle et non par l'appel à candidature. L'article LP 212-10 prévoit aussi une augmentation de la durée de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public pour les opérateurs de télécommunications intérieures. La licence passe ainsi de 9 à 12 ans. L'article LP 3 du présent projet de loi du pays prévoit explicitement une entrée en vigueur rétroactive de cet allongement de la durée de la licence pour que les nouveaux opérateurs puissent d'ores et déjà en bénéficier. Ainsi, les titulaires d'autorisation et de renouvellement d'autorisation délivrés après le 1er décembre 2007 verront la durée initiale de leur autorisation allongée de 3 années. Pour rappel, le mois de décembre 2007 coïncide avec la délivrance
de l'autorisation du premier nouvel opérateur entrant. L'application rétroactive des dispositions précitées permettra de favoriser la pérennité de l'activité des opérateurs nouveaux entrants. Enfin, l'article LP212-10 remédie au défaut de clarté de la procédure de renouvellement de l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et dispose que les conditions de renouvellement seront fixées par arrêté pris en Conseil des ministres. Compte tenu des éléments, je propose, chers collègues de l'Assemblée de Polynésie française, au nom de la Commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, d'adopter ce projet de loi du pays 6 juin. Merci. Maruru maite e te meru apor arhei, ia i te mo tuatapapar atomo preti tini pupu, hoe hora no tato i a tau oparoi e te enei tumu brau. Te anine iau i te tia o te pupu tō tato a ia, hoe ahuru miniti e veinei roto ia oe tia oe. Maruru. Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le vice-président de la Polynésie française, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues élus, tous les collègues qui sont avec nous dans cette salle, tous les amis journalistiques, Yorana. Le présent projet souhaite modifier les dispositions du Code des postes et télécommunications relatives aux autorisations d'exploiter un réseau de télécommunications. Il prévoit tout d'abord l'extension de la durée de l'autorisation pour les télécoms intérieurs au pays, qui passe donc de 9 à 12 ans. Par ailleurs, la délivrance des licences d'opérateurs de télécoms se fera désormais après appel à candidature lancée par le gouvernement. Une fois de plus, le gouvernement poursuit sa croisade dans le domaine des télécoms. Et une fois encore, ce projet peut s'apprécier de deux façons. Sur un plan purement technique, il semble profitable de réguler le secteur des télécommunications dans le cadre d'une concurrence saine et contrôlée. Les différentes entreprises qui ont souhaité se lancer dans le secteur ces dernières années n'ont pas en effet toujours fait montre d'une réelle capacité à assurer leur réseau. Il serait d'ailleurs intéressant que le ministre en charge nous fasse un point de l'ouverture à la concurrence du secteur qui semble complètement au point mort depuis quelques mois et le gouvernement n'apparaît comme le plus motivé pour relancer cette concurrence. Par ailleurs, la procédure de mise en concurrence s'inspire de la procédure classique des appels d'offres dans le cadre des marchés publics et n'appelle pas nécessairement d'observation sur le fond. De même pour l'allongement de la durée des autorisations qui permettront aux opérateurs de disposer d'une durée fixe plus importante, donc d'une visibilité plus grande et surtout donc d'une plus grande possibilité d'engager des investissements lourds amortissable sur une plus longue période. Dans la lettre, ce texte semble un apport pertinent. Cependant, un certain nombre de zones d'ombre persistent. En effet, dans le cadre d'un secteur concurrentiel, il est généralement de tradition de confier la régulation du secteur à une autorité administrative indépendante. En effet, les autorités publiques ayant souvent un intérêt plus ou moins direct dans le secteur, elles ne peuvent objectivement être juges et parties. Or, en l'occurrence, le pays, au travers de l'EPIC-OPT et de sa filiale Tikifone, dispose d'intérêts majeurs dans le secteur. Personne ne pourra le nier. Il apparaît donc difficilement compatible qu'il arbitre de fait les dépouillements des appels à candidature, et ce même si c'est le service des postes et télécoms et non le ministère qui s'en charge, puisque ce service est bien évidemment soumis à la tutelle du ministère. Ceci d'autant plus que la dernière réforme statutaire permet la création de ce type d'autorité en Polynésie française. Il serait donc tout à fait possible de l'envisager pour le secteur des télécoms au Fénois, à l'image de l'autorité de régulation des télécoms en métropole. Par ailleurs, l'exposé des motifs reste muet sur le seuil ou les conditions de déclenchement d'un appel d'offres. Sur quelle base le gouvernement décidera de recruter un nouvel opérateur? Des études indépendantes de consistance du marché, c'est-à-dire le nombre de consommateurs, études technologiques, variabilité de l'offre, des critères de rentabilité par rapport au chiffre d'affaires global du secteur. Dans l'absence de critères objectifs, on ne peut que craindre que ces nouvelles dispositions
sont une nouvelle façon de fermer le marché à la concurrence. On peut également déplorer que les clauses particulières soient fixées par arrêté Conseil des ministres sans qu'un cadre général limitant le pouvoir d'initiative discrétionnaire du gouvernement ne soit fixé. Ceci d'autant plus que l'arrêté en question n'a pas été transmis aux représentants. Il serait bon de connaître les éléments qui seront définis et dans quel cadre d'égalité entre les opérateurs intervenant sur des appels d'offres différents pour fixer ces clauses particulières. Enfin, l'article LP1 prévoit la transmission de rapports au ministère en charge des télécommunications par les opérateurs en charge sur les évolutions technologiques qu'ils comptent mettre en œuvre. Là encore, se relève la problématique de l'intérêt personnel du pays dans l'un des opérateurs et la protection du secret industriel et commercial des opérateurs privés. Quelles sont les garanties offertes par le pays pour la protection des données contenues dans ce rapport? Quel en est le véritable intérêt? Vous le constaterez, bien des questions restent en suspens sur ce texte. Et sans vouloir faire un procès d'intention au gouvernement, il a su montrer par le passé qu'il pouvait faire preuve d'imagination lorsqu'il s'agit de fermer une concurrence qu'il a été tenu d'ouvrir. Alors pardonnez-nous si nous vous apparaissons plus que timides sur ce texte, mais alors tout le monde appelle à une saine concurrence, y compris le CESC qui se réjouissait de prime d'abord qu'un texte sur le sujet lui ait été transmis. Rien ne semble aller dans ce sens. Le texte examiné par le CESC étant un vulgaire copier-coller alors que la situation dans notre pays appelle un cadrage minutieux à une organisation chirurgicale de ce droit technique et spécifique. En conséquence, le groupe Totatoaïa s'abstiendra sur ce texte. Je vous remercie de votre attention. Maruru maitei peristeni, rāna mai tu tātou whareira, tu tātou mono peristeni o tau whenua, tānu atu i tu tātou mō whātarehau, tu tātou mō papa iwea, tu tātou huara, te mō tae e mō tuahine, mō te ia pōrārhine, ia maitei tātou, tu tātou whareira, te iepupu. Président, j'ai un souci que je veux partager avec vous. Le président du gouvernement me manque. Encore plus aujourd'hui, vous avez vu que dans trois des questions qui ont été posées parmi les six ou sept concernent directement une décision du président du gouvernement et de son gouvernement. Et comme d'habitude, nous n'avons que des réponses vagues. Je pense à la subvention pour la desserte des marquises, je pense aux logements sociaux, puisque sur la deuxième liste qui a été transmise par le gouvernement à la CPS figuraient des logements sociaux, dont nous sommes sûrs aujourd'hui que la réalisation ne pourra se faire. Et je pense surtout à cette empreinte de la CPS. Monsieur le représentant, je vous rappelle où est notre président? Est-ce qu'il peut s'intéresser un petit peu? Et en tous les cas, 10 minutes. Monsieur le président de l'Assemblée, par correction pour la représentation, n'auriez-vous pas pu débuter cette séance en nous donnant quelques informations sur cette disparition de notre président? On s'inquiète et nous voulons le partager avec vous, monsieur le président. Merci. Vous avez déjà consommé. Le président, projet de loi vient donc une nouvelle fois, depuis le début de l'année, modifier le code des postes. Les modifications proposées successives depuis un certain temps tiennent notamment compte de votre volonté en matière de téléphonie mobile d'allonger la durée de la licence et de poser les règles à respecter par les futurs opérateurs. Sur le fond, les modifications que vous nous proposez visent surtout à clarifier les obligations liées au cahier des charges soumis à ces opérateurs. On peut toutefois s'étonner qu'après avoir listé les obligations complétant en cela l'existant, vous venez ajouter qu'un arrêté pris en Conseil des ministres précisera en tant que de besoin les règles mentionnées. Il faudrait savoir, Monsieur le Vice-président, est-ce que les règles sont clarifiées et accessibles à tous, ou bien est-ce que l'opacité est entretenue pour laisser au Conseil des ministres, in fine, toute latitude pour décider?
Nous ne pouvons que nous inquiéter de telles dispositions et d'un abus de renvoi systématique à des décisions du Conseil des ministres. Alors même que nous avons déjà eu l'occasion de constater combien l'ouverture à la concurrence pouvait être freinée, soit par des intérêts politiques, soit pour préserver les intérêts du groupe historique. Ce renvoi au Conseil des ministres, et notamment pour les appels à candidature ou les renouvellements de licence, nous remet en mémoire vos déclarations sur la mise en place d'une autorité de régulation indépendante, ici même, à l'Assemblée. Mise en place, ce qui nous est désormais possible au regard des nouvelles dispositions statutaires. Nous aimerions donc, Monsieur le Vice-président, connaître l'état d'avancement de votre réflexion sur ce point. Il est vrai qu'il reviendra toujours au pouvoir public de poser la réglementation, mais nous savons bien que dans le contexte actuel, la tentation est grande de ne pas totalement jouer les règles de la saine concurrence. Sur ce dossier particulier de la téléphonie mobile, nous avons, hélas, de nombreux exemples d'obstruction. Au-delà, en tant que ministre en charge de l'Office des postes, nous souhaiterions avoir votre vision sur l'organisation de ce groupe dans un contexte de plus en plus ouvert à la concurrence sur ses différents métiers et à l'heure où, pour la première fois de son histoire, l'OPT devrait clôturer son exercice avec un déficit important. Je me trompe d'ailleurs, je ne devrais pas parler de l'OPT, parce que je crois que cette année et au plus tard l'année prochaine, c'est le groupe OPT qui clôturera son exercice avec un certain nombre de centaines de millions de déficits pour la première fois de son histoire. Nous savons bien, Monsieur le Vice-président, que vous avez une tâche considérable au sein du gouvernement, d'autant que le président a disparu, en même temps que votre directeur de cabinet qui est censé suivre ces dossiers. Mais il nous semble que ce domaine des télécommunications, et plus généralement du développement des nouvelles technologies, n'est pas pris à sa juste importance au sein de votre gouvernement. Je le disais en introduction, nous avons déjà eu à approuver plusieurs modifications du Code des postes depuis le début de l'année. Mais il s'agit de retouches au fil de l'eau, au fil des urgences constatées, mais qui ne s'inscrivent pas fondamentalement dans une approche globale du secteur. Je parle du Code des postes. Ainsi, je relève dans le rapport que le paysage, je cite le rapport, que le paysage des télécommunications polynésiennes a connu d'importants changements ces dernières années, c'est vrai, impulsé par l'ouverture du marché et des avancées technologiques, dont la très attendue mise en service du câble sous-marin Fonotua. Face à cela, nous ne pouvons constater qu'à l'heure actuelle, la concurrence se limite pour l'heure à un seul nouveau fournisseur d'accès à Internet et que l'ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile patine encore. Mais au-delà, le constat doit être fait que notre vision des changements du paysage des télécommunications se limite à son aspect consumériste, certes important pour nos concitoyens, mais pas central pour le développement de la Polynésie française. Nous avons un câble aujourd'hui et bientôt de nouvelles capacités satellitaires. Nous avons fait d'énormes investissements sur ce câble et ses capacités satellitaires, le tout acquis donc à plusieurs milliards. Mais nous ne sommes pas en phase de rentabiliser ces investissements, ni même d'en tirer profit pour développer de nouvelles activités. Le tuyau reste bien gros pour ce que nous avons à mettre dedans. Un précédent gouvernement de M. Temaro nous a fait entrer à marche forcée dans l'ère du câble. Mais nous ne voyons toujours pas se concrétiser les projets qui avaient été annoncés à l'époque, dont notamment l'installation du Technopole, pour laquelle l'OPT a acquis un terrain dans votre commune, Monsieur le Président de l'Assemblée, à Hitia. Nous ne voyons pas de réflexion globale sur le développement de ces activités liées aux nouvelles technologies, qui nous permettraient, nous en sommes tous persuadés ici, non seulement d'assurer un développement sur de nouveaux créneaux, mais également de rentabiliser nos investissements. Je comprends bien que l'alternance politique ait pu mettre un frein à certains projets, mais nous avions déjà eu l'occasion de souligner que vous aviez peut-être mis la charrue avant les bœufs et que la mise en place de nouvelles infrastructures techniques
n'avait pas été précédée d'une bonne réflexion, d'une réflexion suffisante sur leur utilisation future. Nous savons que l'entourage du président Temaru est féru de nouvelles technologies. Mais il faut bien noter que, pour l'heure, à part l'exposition d'une tablette numérique dans des conférences internationales, nous ne voyons pas poindre le moindre projet. D'accord avec moi, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Vice-président, l'état sommaire de ma réflexion, qui ne s'est pas tellement éloigné du dossier qui nous occupe, car, d'évidence, le développement de la téléphonie mobile et l'ouverture à la concurrence doivent avant tout s'inscrire dans un schéma global de développement de nouvelles technologies, et tout cela au service de nouvelles activités économiques dont le pays a grand besoin, surtout à un moment où nous devons assurer notre mutation économique pour se départir de cette économie de comptoir que vous avez été les premiers à remettre en cause. Voilà. Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, chers collègues, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que le Code des postes et des télécommunications prévoit une ouverture à la concurrence depuis 2003, mais dans la réalité, un certain nombre de barrières se sont placées face aux futurs opérateurs potentiels. En premier lieu, il faut reconnaître la rédaction incomplète du Code, voire les absences et surtout les difficultés d'application de certains textes qui ont très clairement freiné cette ouverture. C'est clair que c'est dans cette optique que ce texte vient tenter de répondre en partie à ces défaillances réglementaires, puisque celui-ci vient préciser les procédures d'octroi de la licence, par notamment la mise en place désormais d'un système d'appel d'offres, la précision aussi du cahier des charges qui sera personnalisable et le rallongement de la durée de la licence qui passera donc de 9 à 12 ans pour, selon les dires du gouvernement, permettre aux opérateurs d'avoir une garantie supplémentaire d'amortissement de leur investissement. Alors certes, sur ce texte, dans le fond, nous ne sommes pas opposés, mais nous rejoignons l'idée, les idées en tout cas qui viennent d'être émises, que nous sommes encore dans la retouche. Et ensuite, dans le détail, nous évoquerons deux remarques essentielles. La première, c'est la liberté que ce texte accorde au Conseil des ministres. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer en commission. Le texte prévoit une partie du cahier des charges qui repose sur des obligations de principe, et une deuxième partie totalement personnalisable en fonction du client, sans aucune précision des limites accordées au Conseil des ministres. Et à ce titre, donc, je rejoins les questionnements de mon collègue Robert Tansot à ce sujet. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Vice-président, nous apporter, en tout cas nous rassurer sur l'étendue des compétences que vous allez redonner au Conseil des ministres? Est-ce qu'on peut avoir les arrêtés d'application qui encadrent cette partie du cahier des charges que vous comptez personnaliser? Le deuxième point, la deuxième remarque que je voudrais faire sur ce texte, c'est qu'au regard des dernières péripéties du premier concurrent qui vient d'arriver, qui est en place, on peut quand même regretter que vous n'ayez apporté aucune précision, aucune amélioration sur les procédures de fixation des tarifs d'interconnexion. C'est un point sensible qui oblige aujourd'hui l'opérateur historique et l'OPT à négocier. Mais le problème, et c'est souvent la remarque qui a été faite, que ce soit par les intéressés, mais aussi par des observateurs extérieurs, je pense notamment à la Chambre territoriale des comptes, mais aussi à d'autres chercheurs qui se sont intéressés à la spécificité polynésienne, c'est que nous avons un opérateur historique qui a des filiales, qui sont elles-mêmes les concurrents de ces nouveaux opérateurs.
Et donc, il y a toujours cette crainte d'avoir un office qui va être jugé parti. Et c'était pour cette raison, d'ailleurs, qu'au mois de juillet, lorsque je vous avais interrogé sur l'arrivée de ce premier concurrent, que je vous avais demandé à ce que le pays, via le ministère dont vous avez la charge, puisse vraiment plus s'engager pour récupérer un peu plus cette compétence pour assurer un maximum d'objectivité dans les négociations des tarifs d'interconnexion. Voilà en gros les remarques sur ce texte. Bien entendu, cette intervention que nous vous demandons, elle est dans l'attente de la création d'une autre autorité indépendante qui va permettre d'être le lieu des discussions, un lieu neutre, objectif, qui va garantir aux deux parties voilà, les meilleures conditions de négociation. Et c'est aussi à ce titre que je pense que ce texte arrive encore comme une petite réformette, peut-être pas au bon moment. On aurait souhaité qu'il y ait une organisation des textes pour que ce soit cohérent. Créons la haute autorité indépendante qui va gérer ces négociations pour ensuite venir finaliser et peaufiner le code des postes et des télécommunications. Ça, c'est la première barrière. C'est la barrière réglementaire qu'il nous faut absolument arriver à passer. Le deuxième handicap, la deuxième barrière particulièrement dissuasive, et là je ferai un petit détour par rapport au sujet précis d'aujourd'hui, c'est les droits d'accès forfaitaires dont les montants, vous le savez, nous le savons, tout le monde le sait, restent exorbitants pour une entreprise qui doit se lancer. Alors parlons concrètement, c'est quoi les chiffres? C'est 840 millions de droits d'accès pour un opérateur qui veut se lancer dans le service de télécommunication, dans le fixe, téléphone fixe. C'est 1,5 milliard pour celui qui veut se lancer dans la téléphonie mobile. 660 millions de francs pour la fourniture d'accès à Internet. Et 120 millions pour le service qu'on appelle le roaming, le callback. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu, qu'on s'intéresse au débat qui a eu lieu en 2001 à 2003 pour fixer ces droits, on s'aperçoit que ces droits ont été, je dirais, fixés par rapport à une estimation qui est évaluée aujourd'hui à environ 2% du chiffre d'affaires généré, certes, annuel. Pourtant, je rappelle encore que les observateurs qui ont écrit par la suite sur les conditions de ces montants, la fixation de ces montants, ont très largement remis en question l'objectivité de ces montants. C'est vrai que pour un opérateur, soyons francs, pour un opérateur local, on ne parle pas de grosses sociétés multinationales, on parle de porteurs de projets, d'entreprises à l'échelle polynésienne. Investir 1,5 milliard sur les trois premières années, c'est très lourd. Alors certes, c'est le point que je voulais faire. La semaine dernière, votre collègue Pierre Frébeau est venu nous voir avec un texte qui réforme notre fiscalité. Et à l'intérieur de ce texte, il y avait une partie qui concernait l'étalement désormais de ce droit d'accès, qui va passer donc de 3 ans à 9 ans. Et j'avais fait la remarque à votre collègue en lui disant « Mais pourquoi vous étalez sur 9 ans alors que la semaine prochaine, votre collègue Anthony Géros va arriver avec un texte pour qu'on rallonge la licence de 9 ans à 12 ans ?» Donc je voulais qu'on profite aujourd'hui de l'étude de ce texte pour vous faire part de ce que je trouve être une vraie incohérence de votre gouvernement. Je le regrette. Même si, bien sûr, allonger sur 9 ans est une bonne chose, je vous rappelle que cet allongement est lié à la durée de la licence. Alors, si aujourd'hui nous rallongeons jusqu'à 12 ans, je vous pose la question, monsieur le vice-président, comptez-vous caler le paiement de ces droits sur cette nouvelle durée d'autorisation de licence, c'est-à-dire sur 12 ans? Et je vous sollicite pour le faire, parce que, on l'a dit tout à l'heure, les coûts d'investissement pour les nouveaux opérateurs sont extrêmement lourds. Alors, je vous suggérerais, d'autant que cette dépense, je précise, n'est pas défiscalisable. Un nouvel opérateur ne peut pas inscrire cette dépense dans son projet de défiscalisation. Serait-il possible,
au lieu de mettre un versement sur 9 annuités qui correspond à 20%, puis ensuite 10% chaque année pendant 8 ans, est-ce qu'il serait envisageable, monsieur le vice-président, d'avoir un paiement progressif croissant, c'est-à-dire qu'au début, on démarrerait bas, autour de 5%, 8%, pour finir à 10%. Vous comprenez bien que là, l'opérateur va bénéficier d'un tarif qui sera beaucoup plus facile à amortir vu les très lourds investissements de départ du lancement de son entreprise. Voilà, je termine vite, monsieur le président, merci. Je dirais que la dernière barrière, on le sait, c'est celle de l'absence de diagnostic, l'absence d'études poussées qui nous permettrait demain de construire une véritable stratégie de développement de nos télécommunications en Polynésie française. Ça rejoint aussi les propos de mon collègue Édouard Fritsch. Nous avons bien constaté que l'OPT aujourd'hui est dans une situation de déficit structurel. Un déficit structurel que l'Office arrivait à compenser grâce à ses filiales. On n'a plus le temps, on est en 2011, ça ne sert plus à rien de nager à contre-courant. À l'heure où les nouvelles technologies sont de plus en plus innovantes et quelque part envahissent notre quotidien, maintenant on ne vit plus sans téléphone mobile, sans Internet en grande partie, pour un grand nombre de plus en plus de personnes en tout cas. Je crois qu'il faut arriver à vraiment mettre carte sur table pour voir comment demain nous allons pouvoir continuer à assurer le service public en matière de télécommunications. Je pense notamment aux îles éloignées parce que la Poste, c'est pas que le téléphone, c'est aussi cette agence qui est un lien de proximité pour ces îles et auxquelles elles tiennent, tout en permettant une arrivée sereine de la concurrence. Voilà. Pérennité du service public, mais en restant moderne et en restant ouvert à l'arrivée de la concurrence dans des conditions optimales et au meilleur prix. Alors, c'est beau, certes, je sais que ça demande beaucoup de travail, mais si on ne démarre pas, on n'y arrivera pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous donner les prémices, en tout cas, des grandes lignes de votre politique, de votre vision du futur des télécommunications en Polynésie française. Merci. Maruru maitei, tetia aitatane pupu, mano anei, maruru, tetia o te mana o te momutu, benoa, te aoero. Oi, maruru peritini. Oui, c'est par tous impressionniste, même si qualificatif, est un peu excessif que notre pays ouvre son marché de télécommunications à la concurrence et à une meilleure gouvernance. Ce texte en est l'expression. En effet, dorénavant, l'établissement, l'exploitation et la fourniture au public de services de télécommunications seront soumis à un appel à candidature qui devra assurer les conditions de la concurrence. La précision quant au caractère effectif de cette concurrence est importante. En effet, cela veut dire en langage courant que celle-ci devra être réelle. Telle sera à l'avenir la charge de l'administration qui pourra limiter le nombre de candidats à condition, toutefois que cette limite assure une concurrence réelle sur ce marché. Il faut s'attendre à des contentieux sur cette question, nous verrons. La question sera de connaître le nombre d'opérateurs à partir duquel la puissance publique pourra assurer une concurrence réelle. Mais n'avons-nous pas déjà, sous l'empire de l'ancienne procédure, atteint le seuil? En effet, ces nouvelles conditions ne concernent pas les entreprises qui ont déjà eu un agrément, même si elles n'ont pas toutes
acquitter leurs redevances. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, nous avons il y a peu voté un texte qui leur donne un peu de répit pour le paiement de cette redevance. Au jour d'aujourd'hui, il me semble que deux opérateurs sont en activité depuis la mise en activité d'une nouvelle structure. Deux ou trois autres étaient en liste. Donc la question, qu'en est-il aujourd'hui? Peut-être pourrions-nous avoir un point de situation. À côté de ces questions, le texte étoffe le cahier des charges à présenter par les candidats qui devront prendre en compte des considérations jusque-là absentes, notamment en matière de services, de santé des usagers et de protection des utilisateurs. Enfin, les opérateurs pourront bénéficier d'une sécurité juridique accrue par un allongement de la durée de l'autorisation. Comme je l'indiquais, on avance sur ces questions par petites touches. De mon point de vue, la touche supplémentaire serait de mettre ce dispositif dans les mains d'une autorité administrative indépendante. Merci. Alors, vous m'avez dit, et à Kaiki, de mon opérateur, et nous avons dit que nous avons été en train de nous faire un peu de temps. Maruru mai tei pretiteni. Erona, ari mai mana o tatar hapa. Te tumaro aro wei te tapura amui. Iau toi hei, iau toi hei, iau toi hei. Te horo atu nei pura pura te iau tuk, hani. E ta, pretiteni. Ari mai tapu arfo tapura amui. Sa tere ra tu tatu whenua. Tato te tamei ti pipui. E te ewa te ane. E, miti riari. Chirura e te tūmahia tapura amu. Aita, peritini, mea reiti mana o tātātu i wharu mai. E, rāne iau e iroto i te tuatapopara, o te mō irawa, e rea te tapura amu i e whaite i tōna mana. Maruru. Nori reho e tūmahia o tō, wai te au ai te pae mana. Nori a, te mono peritini, te e te me ti a oera. Maruru mai te peritini no tapura rei. Te mau te e tuahine, te mau te e o te amui mai e rutu i tātou rurura, nā rina tua mōwea, whare mai tapo no te arofa i tō tātou nei whare rira. Le dossier que j'ai l'honneur de vous présenter dans le cadre de cette séance est un dossier que j'apporte avec beaucoup de plaisir parce qu'elle résulte d'une rencontre que nous avons eue avec tous les opérateurs sur le pays. C'est à leur demande que, très rapidement, nous avons mobilisé nos services techniques pour pouvoir entreprendre très rapidement les petites modifications que vous évoquez pour plus de transparence, plus de concurrence, et plus de respect par rapport à leur égard. Je vous disais en commission que le rôle d'un gouvernement, c'est bien entendu de réglementer, et c'est tout à votre honneur de l'avoir évoqué, c'est également de réguler à travers des structures ad hoc, comme une autorité administrative indépendante, mais c'est également de protéger. Ça, par contre, je crois qu'on a tous oublié ça. On a l'impression, quand on parle de droit de la concurrence, c'est pour ouvrir les portes à tout le monde. Certes, vous avez évoqué le manque de réactivité du gouvernement, mais je puis vous dire qu'en 2009, lorsque nous avons apporté le câble, qui ensuite, après avoir été évincé du pouvoir, a cherché son trou pour finalement le trouver, on a pensé qu'on aurait révolutionné le pays dans le tout numérique. Force a été de constater, quand on est arrivé aux affaires du pays,
ben, il y avait un beau câble, mais il n'y avait rien au bout. Donc avec toutes les difficultés que nous avons rencontrées pour essayer de répondre aux priorités du pays qui ne sont pas le câble ni le numérique, mais le déblocage du prêt AFD, nous voilà aujourd'hui quand même à répondre aux autres activités et aux autres charges auxquelles a à faire face ce gouvernement. Ce câble que nous avons tiré, si nous raisonnons comme vous le faites, c'est un câble que nous avons tiré face à une impasse. Il y a eu du haut débit d'un côté, et en escompte, mettre du haut débit de l'autre côté, rien que par la lornière de notre pays. 250 000 habitants. Alors soit on ne sait pas de quoi on parle, ou soit on se trompe complètement. La véritable raison de ce câble, c'est qu'à l'intérieur, il y a un flux identique dans les deux sens. Jamais dans le sens du pays vers l'extérieur, on aura le flux de l'extérieur vers l'intérieur du pays. Et donc, il nous faut acheminer ce câble vers une destination où, en compensation, on puisse avoir le même flux. Et je vais vous informer que les Chiliens sont déjà prêts. Et oui, ils sont déjà prêts. Mais le pays ne veut pas perdre la main. Donc, dès le retour du président, nous allons prendre contact avec les autorités chiliennes pour évoquer la mise en place de l'autre partie qui va enfin, à débit constant, pouvoir nous garantir un flux continu qui va permettre à notre ministre des Finances de pouvoir avoir le sourire qu'il n'a pas aujourd'hui. On s'est compris, c'est un compteur. Ça marche un peu comme le compteur d'eau. Plus il y a de débit et plus ça rentre. C'est un peu comme ça que ça marche. Actuellement, le débit vient dans un sens, mais il ne repart pas dans l'autre sens. Et donc l'idée en matière de développement du numérique, c'est notamment ça. Ensuite, bien entendu, il y a ce qui se fait ailleurs dans le monde. Là où a atterri du haut débit, les technopôles, les pôles de compétitivité, les pôles d'excellence, il y a tout ce qu'il faut comme architecture et structure dans le monde. Il suffit de faire copier-coller, mais avec la garantie du respect de la spécificité locale, parce que Armel n'aime pas faire du copier-coller tout court. Donc on y veillera. On y veillera, bien entendu. On fera attention, lors de la mise en place donc de ces structures, de veiller à ne pas faire n'importe quoi. Mais sachez que les perspectives de développement du numérique s'inscrivent dans le cadre de ce que je viens de vous dire. Ce ne sera pas le câble tout seul, Honotua, Hawaï, Tahiti, ça ne sert à rien. Si ce n'est que de nous enorgueillir pour dire que le haut débit est arrivé à Tahiti, c'est tout. Mais par contre, si ce haut débit pouvait relier nos cousins de Rapa Nui et toucher ensuite le Chili, alors là, vous avez relié les deux Amériques. Et si d'aventure demain, ceux qui vont nous remplacer, si éventuellement il se trouve qu'on soit remplacé demain, et l'idée lumineuse de relier Teotihuacan, on aura reconstruit le triangle polynésien. C'est formidable, ça. Grâce à la Polynésie, au centre du numérique du Pacifique. Mais vous devez tous applaudir. Nous y pensons, nous y croyons, nous le ferons. C'est pas un discours présidentiel, mais c'est tout comme. Bon, on va revenir quand même aux réponses à apporter aux questions qui m'ont été posées.
Alors peu ou prou, même si Tohatohaya a affirmé dès le départ qu'il s'abstenait, donc vous avez bien résumé que le texte que je vous propose s'inscrit dans une clarification beaucoup plus affirmée du droit de la concurrence avec notamment cette procédure nouvelle d'appel à la candidature qui n'existait pas. Aujourd'hui, cet appel à candidature existe désormais. À côté de ça, il y a bien entendu l'allongement de la procédure et je vais rassurer tout de suite Maïna, ils auront 12 ans d'autorisation pour 9 ans de droit à payer. Formidable ça. Je vous ai dit, nous avons préparé ce texte avec les opérateurs. On les a écoutés, nous avons discuté si réglementairement c'était possible et nous l'avons fait, nous le faisons. Donc vous devez nous accompagner par le soutien de la proposition de modification juste de l'article 212-10. Alors j'ai effectivement posé la question technicienne de savoir est-ce qu'on ne peut pas faire un peu comme la LP du foncier. Alors il a commencé à hérisser, il m'a dit non, ne refondez pas le code d'un coup, ça va être la révolution dans le pays. Alors je lui ai dit de m'expliquer, il m'a dit que les procédures sont tellement rigoureuses que les opérateurs vont perdre leur latin. Donc c'est pour ça que, à la vitesse et au rythme d'adaptation des opérateurs, on opère les changements du code. Mais effectivement, on peut tout changer très rapidement. Si vous le souhaitez, en un mois, je peux revenir ici avec le code des postes et télécommunications refondu. Alors j'ai vu ce que ça a donné pour le foncier. Alors je ne m'y aventurerai pas. Alors maintenant, je veux comprendre. Alors j'essaye d'inverser la tendance en venant avec des petites brides de modification. On me reproche de le faire par la lornière de l'article. Vous voulez tout de suite qu'on refonde le code entier. Donc je veux savoir. Mais raisonnablement, ce n'est pas ce qui sied à l'ensemble des opérateurs. Ils ne veulent pas une refonte complète, systématique et immédiate du code. Ils veulent pouvoir s'adapter au rythme de cette refonte et donc c'est eux qui vont nous dicter ce rythme. Alors vous avez évoqué la nécessité de réguler par la mise en place d'une autorité administrative indépendante. Alors effectivement, je m'en suis expliqué à plusieurs reprises sur cette entité, mais il faut que vous sachiez, compte tenu de la situation financière dans laquelle on se trouve, il va falloir qu'on partage nos moyens. Parce que je ne peux pas faire une entité administrative indépendante juste pour le numérique, alors qu'à côté, au niveau du droit de la concurrence commerciale et industrielle et économique en général, on en a besoin, et que de l'autre côté, au niveau de l'environnement, du développement des énergies nouvelles, on en a également besoin. Donc il y a une nécessaire concertation entre les ministères concernés et nous allons créer une entité unique. Donc on aura une autorité administrative indépendante, unique, avec des départements chargés dans chaque secteur respectif d'avoir à réguler la matière. Donc voilà pour l'autorité administrative indépendante. Alors ensuite, évidemment, on m'a demandé qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici. Eh bien, on s'est mis en configuration de développement, on ne vous a pas attendu. La semaine dernière, en Conseil des ministres, on a revu la structure des structures existantes en créant l'agence de la réglementation numérique et l'agence du développement numérique. Donc, on a remis les services en configuration pour justement qu'ils abordent le challenge de réformer notre réglementation au rythme que je vous ai évoqué et puis se préparer justement au challenge de véritablement du développement du numérique dans le pays. Le développement numérique dans le pays, c'est bien entendu l'utilisation des résultats de ce haut débit, non pas avec la gadgeterie numérique dont vous avez fait état au détour de vos interventions, mais véritablement grâce à l'implantation de nouveaux métiers dans le pays. Et dans le cadre de l'implantation de ces nouveaux métiers, nous devons rencontrer les grands pontes du numérique international, pour qu'ils puissent venir avec leur expertise s'installer dans notre technopole ou dans nos technopoles.
mais on va dire dans notre technopole pour commencer. On va rester modeste. Afin qu'autour d'eux s'agrège un embryon donc, de métiers qui puisse permettre ensuite de fédérer l'enseignement, l'éducation, la formation et les activités économiques qui vont avec. Donc on ne peut pas révolutionner, mais on peut déjà donner les orientations et c'est ce à quoi nous nous attelons. Donc nous avons deux perspectives en termes de technopole. C'est soit d'utiliser notre palais présidentiel actuel, mais me dit-on, c'est trop petit. C'est trop petit. Ou soit de travailler avec le privé. Alors je vous dirai pas avec quel privé on a commencé à travailler, mais d'utiliser une structure complètement privée pour pouvoir accueillir tous ces métiers de demain qui vont révolutionner la technologie numérique en Polynésie. Donc, je ne vous en dis pas plus, parce que normalement, c'est lors du DOB que vous seront révélés tous ces petits secrets que je vous livre en filigrane. Donc, mais déjà, je vous oriente sur les perspectives à s'attendre en matière de développement du numérique en Polynésie. Alors, rassurez-vous, nous sommes restés dans nos clous. C'est-à-dire que les ministres, le Conseil des ministres, le gouvernement et le ministre que je suis est resté dans ses compétences. J'ai demandé à ceux qui m'ont concocté cette réglementation, cette petite modification, de restreindre le champ d'intervention des compétences ministérielles dans le cadre de la gestion de ce numérique. Et c'est ce à quoi je me trouve confronté, mais je crois que vous n'avez pas compris. La modification que j'apporte là va à la restriction de la présence de la compétence ministérielle. Et là, j'ai l'impression que vous comprenez le contraire, en disant que par la modification que je fais, j'étends les compétences du Conseil des ministres. Ce n'est pas le cas. Ben, actuellement, je suis compétent pour tout. Là, j'ai demandé de restreindre les compétences afin qu'on les limite aux spécificités communes et pas plus. C'est bien comme ça que nous avons compris et je me suis fait rassurer encore par le technicien qui me dit « Oui, on a restreint. » Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Maintenant, si vous ne voulez pas, on reste à la structure d'antan qui donne la compétence au ministre de réglementer l'ensemble du dispositif, notamment en termes de prescription du cahier des charges. Donc c'est un choix qu'il faut faire. Alors, quant au coût, excusez-moi, mais il me semble que les droits d'accès, monsieur le ministre des Finances, ont été adoptés la semaine dernière. Donc, que voulez-vous que je vous dise de plus? Le débat eut lieu démocratiquement, la décision a été prise et, me dit-on, à l'unanimité. Article 1er en plus. Que demande le peuple? Donc, je vous invite tous à soutenir cette petite modification. Maroul. Maruru maite. Maruru maite. Aito tu era wai tra huru pa honora, me tahinu, me amama, me horo onoa, e hatu ai ata auto hinaro. Maina sa, te tarai au e te horo a fahoro oi poro poro rai au. Merci, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Vice-président, merci. En tout cas, vous êtes plus conciliant à donner des réponses avec votre casquette de ministre en charge des postes et télécommunications qu'avec votre casquette de ministre en charge de la communication. Hein, parce qu'hier, on n'avait rien, hein, zéro réponse. Hein. Bon, je voudrais simplement vous dire que sur les droits d'accès forfaitaire, je ne suis pas venu vous demander de les abaisser. Parce qu'il y a eu un débat, il s'est passé il y a 7 ans. Je vous pointe seulement du doigt le fait que les tarifs sont élevés et que dernièrement, nous avons étalé le paiement de ces droits qui, au lieu d'être payés sur 3 ans, ont été étalés sur 9 ans pour se caler sur la licence. Alors, aujourd'hui, vous revenez nous voir pour étaler maintenant la licence qui va passer de 9 à 12 ans. C'est pour ça que je vous pose la question. Comme vous êtes sur les petites retouches,
C'est facile. Revenez, mettez-vous d'accord avec votre ministre Pierre Fribourg pour faire cette petite retouche. Et au passage, il serait bien que, en étalant sur 12 ans, on puisse réduire le pourcentage de la première année pour que, au contraire, pour un investisseur qui se lance et qui a un gros investissement de départ à faire, cette charge soit moindre au départ et qu'elle soit ensuite plus importante sur les dernières années. Quand vous dites tout à l'heure que ils vont avoir une autorisation sur 12 ans, ils ne payent que 9 ans. On a l'impression qu'ils payent moins. Mais non, l'étalement sur 9 ans, c'est toujours le même montant forfaitaire. Hein. C'est un droit forfaitaire, il ne bouge pas le montant. Donc, je vous demandais s'il serait possible, pour rester un peu plus cohérent avec ce qui a été voté la semaine dernière, qu'on puisse étaler sur 12 ans. Ce sera au bénéfice de la concurrence. Et si on veut vraiment faciliter l'arrivée de la concurrence, je pense que c'est un bon moyen pour vous de le prouver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, sur la création des agences de réglementation, et si j'ai bien compris, d'une deuxième agence de développement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus la structure juridique de ces agences? Parce que certes, vous nous l'aviez annoncé lorsque nous avions repassé le texte sur les noms de domaine, et que ces agences allaient avoir la compétence pour enregistrer ces noms de domaine. Donc moi, je voudrais savoir quel statut juridique ont ces agences. Merci. Maruru maite, taratoru maite tihau, metahinu. Aiti ue marumaru mai metahinu, edu afishia ue. Maruru peritini, me uite ue trahatahinu ata ue me hinu papa. E heri ona i tāmatara, muri shora e ui ona. Président, je voudrais dire au vice-président, nous avons bien compris son souci, nous avons bien compris tout le développement qu'il a fait devant nous pour qu'on se calme, mais ce n'est pas ce qui va résoudre le problème. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si le groupe Totato Aya va changer son vote après votre intervention, mais je crains fort que ça ne va pas faire avancer les choses. Monsieur le vice-président, je ne sais pas qui c'est le technicien qui vous a dit qu'on est en train de donner plus de décisions du côté de l'Assemblée qu'au niveau du Conseil des ministres, mais regardez bien le texte que l'on a devant nous. Tout sera réglé par des arrêtés en Conseil des ministres. Bon, je ne parle pas du point 1, et encore, le point 1, c'est, oui, dernière ligne, les modalités de l'appel à candidature, les critères de sélection des candidats seront fixés par arrêté pris en Conseil des ministres. Grand 2, un arrêté pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent alinéa qui porte sur le renouvellement des demandes, etc. C'est important, vous consultez. Grand 3, conclusion du grand 3, un arrêté pris en Conseil des ministres définit les clauses particulières, notamment celles relatives à la nature, aux caractéristiques, à la zone de couverture du service et au calendrier de déploiement du réseau. Monsieur le vice-président, j'ai envie de vous dire qu'à la limite que vous gardiez de part vers vous certaines décisions définitives. C'est votre choix. Mais ne venez pas ici, à l'Assemblée, vous mettre en contradiction avec ce que nous écrit le rapporteur dans le rapport de présentation, où en effet, on nous dit que là, avec ce que vous avez là aujourd'hui, mesdames et messieurs les représentants, vous êtes au courant de tout. Je suis désolé, cette partie-là reste opaque pour nous. Sauf, monsieur le vice-président, si c'est pour quelque part vous donner plus de moyens à vous, ministre des Postes et Télécommunications, pour tenter, dans les mois à venir ou dans les années à venir, à sauver la boîte OPT. Je me mets un petit peu en opposition avec les déclarations de Mme Maïna Sage. Mais là aussi, monsieur le vice-président, ce qui nous gêne aujourd'hui, au moment où nous légiférons en matière de concurrence sur la téléphone mobile, c'est que plusieurs éléments nous manquent.
quels sont les tarifs d'interconnexion qui ont été conclus entre l'OPT et les opérateurs? Quel va être le tarif à l'international? On a bien compris que la population polynésienne, nous les consommateurs, bien sûr que nous souhaitons la concurrence, mais si c'est une concurrence qui est gérée par un des opérateurs indirectement, parce que c'est ce qui va être le cas, n'oubliez pas qu'un des opérateurs comme une filiale de l'OPT, lequel OPT est structurellement déficitaire, 700, 800 millions, 900 millions de pertes par an, on le sait. Qu'à la limite, vous le faites pour tenter de garder l'équilibre au niveau du groupe OPT, puisque ce sont ces filiales qui aujourd'hui viennent sauver la maison OPT. D'accord, d'accord, mais néanmoins, nous demandons, je ne dis pas nous exigeons, mais nous demandons à ce que d'autres informations nous soient communiquées sur ces tarifs, afin de mieux comprendre la démarche du gouvernement. Vous venez nous dire que on va pousser à 12 ans la licence, ce qui fera 3 années gratuites pour les opérateurs. Monsieur le Président de l'Assemblée, vous n'allez quand même pas céder à ce genre de tentation. C'est une tentation. Mais entre nous soit dit, et comme l'a précisé mon collègue Maïna Sage, l'investissement va se faire au départ, sauf naturellement si on mutualise. Qu'en est-il donc de la mutualisation? Est-ce que chaque opérateur va venir ici construire ces relais? Et surtout, in fine de tout ça dans la concurrence, est-ce que les îles, la Polynésie, ce n'est pas que Tahiti, Moorea et les îles sous le vent, est-ce que les îles éloignées vont bénéficier d'un même régime? Je veux parler de la concurrence. Ou alors, on va laisser les îles qu'à l'opérateur traditionnel, c'est-à-dire Tiki Fon, à qui on fera subir une concurrence qui va peut-être mettre à mal ses gains, parce que c'est comme ça que ça va marcher. Voilà, toutes les questions que l'on se pose et qu'il aurait fallu quand même aujourd'hui que l'on réponde au moins en partie. Mais, monsieur le vice-président, nous comptons sur vous, bien sûr, mais le texte présenté tel qu'il est n'est pas satisfaisant pour nous si vous ne nous apportez pas ces compléments d'information. Merci, Monsieur le Président. Je n'arrive pas à comprendre l'intervention notamment de mon prédécesseur, ex-vice-président, qui connaît pourtant bien la matière et qui a peut-être posé des questions pour essayer de me confondre plutôt que de chercher à clarifier la situation. Je vous ai dit tantôt qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces opérateurs essaye de trouver avec le pays un terrain d'entente pour assainir le marché de la télécommunication dans le pays. Ce n'est pas facile. Regardez le transport aérien. Toutes les difficultés que le transporteur historique a de pouvoir argumenter afin d'obtenir du pays le soutien au coût de la desserte aérienne jusqu'au coin septentrional de la Polynésie. C'est pareil en téléphonie mobile. Il y a juste l'opérateur historique qui atteint les confins de la Polynésie. Pourtant, le cahier des charges impose à tous les opérateurs de se mettre sur la même voie. Aujourd'hui, ils n'y sont pas encore. Que voulez-vous que j'y fasse? On va aller derrière avec le bâton pour essayer de les pousser à atteindre les confins du pays afin qu'ils respectent la concurrence. Je vous ai dit que nous étions sur un terrain de négociation. Le tarif d'interconnexion, c'est la même chose. C'est un investissement qui a coûté à un opérateur, qu'un autre opérateur veut utiliser. Le droit impose qu'ils se mettent d'accord pour trouver un terrain d'entente de tarification. Ce n'est que lorsque, après les délais, ils n'ont pas trouvé ce terrain d'entente, que l'autorité publique intervient et dit « game over ». Voilà le tarif que j'impose d'autorité.
On n'en est pas là encore. On n'en est pas là. Ils sont toujours en tractation. Le cas de l'opérateur évoqué par Maïna est différent. Il n'a pas les mêmes activités que tous les opérateurs. Et par rapport à cet opérateur, nous sommes sur un terrain de compréhension juridique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du numérique, on peut tout faire avec. Et pourtant, nous n'avons pas des textes qui disent les choses de la même façon. Et donc, il y a une nécessité d'adaptation de nos textes pour pouvoir répondre à la réalité du terrain. Et c'est le petit chouïa qui embête un peu le pays en ce moment, mais avec les services duquel on essaye de trouver une issue qui soit acceptable, autant pour cet opérateur que pour l'ensemble des opérateurs, et pour, évidemment, les opérateurs futurs. Atteindre les quatre coins septentrionaux du pays, ça a un coût. Ça a un coût. Pour essayer d'amoindrir le coût de ce type d'opération, nous les avons à nouveau réunis pour qu'ils puissent partager ces moyens techniques que vous avez évoqués. Et aujourd'hui, nous sommes en passe d'obtenir un accord et un consensus de l'ensemble de ces opérateurs sur l'ensemble des moyens techniques et logistiques dont dispose l'opérateur historique, pour éviter que justement chaque opérateur puisse être obligé et contraint de faire les frais à cause du cahier des charges, d'avoir à affronter les mêmes charges logistiques pour pouvoir desservir au même endroit que lui impose la réglementation, que ce soit à Rikitea, que ce soit à Huahuka, ou que ce soit à Tupuei, ou que ce soit dans les confins les plus éloignés de la Polynésie. Mais la règle veut que l'ensemble donc des opérateurs soit logé à la même enseigne par l'autorité publique. Mais nous y allons tout doucement pour éviter de brusquer. Comme je vous ai dit, en matière de réglementation, on va voir au fur et à mesure de l'évolution demandée par les opérateurs, on fait évoluer notre code. Dès qu'il y a un point bloquant, on se rencontre, on discute, comment on peut trouver un terrain d'entente, et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Viti. Au début, c'était le bras de fer, et quand on a expliqué la situation dans laquelle la réglementation les contraignait, on est tombé sur un terrain d'entente, et la discussion continue aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'à mon avis, il faut donner la chance à la Polynésie de pouvoir se développer au niveau du numérique et non pas venir avec des idées préconçues et puis une réglementation carrée qui dit « je ne veux rien entendre, vous appliquez l'article temps, un point c'est tout ». Voilà, Monsieur le Président. Donc, article LP1. Donc, l'article D212-10 du Code des postes et télécommunications est modifié et rédigé dans les conditions suivantes. Article LP212-10-1. L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public des services de télécommunications sont soumis à autorisation conformément aux dispositions de l'article D212-1 du présent code. Donc, l'autorisation est délivrée pour une durée de 12 ans, à l'exception de celle accordée à l'opérateur du réseau de télécommunications extérieures qui est d'une durée de 20 ans. Le Conseil des ministres peut limiter le nombre d'autorisations dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effectives. La sélection des titulaires des autorisations d'établir et d'exploiter des réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de télécommunications se fait après consultation publique par appel à candidature. Les modalités de l'appel à candidature et les critères de sélection des candidats sont fixés par arrêté pris en Conseil des ministres.
2. 6 mois ou moins avant la date de son expiration, le titulaire de l'autorisation adresse au ministre chargé des télécommunications une demande motivée de renouvellement de son autorisation. Un arrêté pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent alinéa. 3. L'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de télécommunications sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française, notamment au respect des règles énoncées ci-après. Petit a, les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et des services. Petit b, les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis, des informations liées aux communications. C. Les normes et spécifications du réseau et des services. D. Les prescriptions exigées à la protection de la santé, de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructure et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale. E. Les dispositions relatives aux fréquences sans préjudice des compétences de l'État. F. L'allocation des numéros, les redevances dues pour la gestion du plan de numérotation et de son contrôle dans les conditions de l'article D 212-20. Petit g, l'interconnexion dans les conditions prévues aux articles D 212-22 à D 212-25. H, les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers. I, la publication tous les ans, avant le 30 juin, d'un rapport d'activité qui fait notamment un point sur l'avancement des nouvelles technologies disponibles et leur mise en œuvre par l'opérateur. Ce rapport est transmis au ministre en charge des télécommunications. J. Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services. K. Les suggestions imposées à l'opérateur pour les besoins du contrôle de son activité. L. L'égalité de traitement, l'information des utilisateurs, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, incluant les garanties apportées aux consommateurs en matière de fourniture du service et la protection des utilisateurs. M. Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste numération des prestations assurées à ce titre. N. L'acquittement des frais, taxes et redevances dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en œuvre des dispositions du présent livre dans les conditions prévues par le présent code et le code des impôts. O. L'acheminement gratuit des appels d'urgence. À ce titre, l'opérateur est tenu d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence aux données relatives à la localisation de l'équipement du terminal de l'appelant, dans la mesure où les équipements dont il dispose lui permettent de connaître ces données. On entend par données de localisation l'adresse de l'installation téléphonique, l'adresse de provenance de l'appel ou, dans le cas du service mobile,
le lieu géographique de provenance de l'appel le plus précis que les dits équipements sont en mesure d'identifier. P. Le cas échéant, la fourniture du service de base et des services obligatoires dans les conditions prévues aux articles D. 213-1 à D. 213-7. Un arrêté pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application du présent paragraphe. Il précise notamment, en tant que de besoin, les règles mentionnées. Les règles mentionnées ci-dessus constituent les clauses types du cahier des charges de l'opérateur. Elles sont complétées de clauses particulières selon la nature et les caractéristiques du réseau et de services de l'opérateur. Un arrêté pris en Conseil des ministres définit les clauses particulières et notamment celles relatives à la nature, aux caractéristiques et à la zone de couverture du service et au calendrier de déploiement du réseau. Président, n'oubliez pas que le groupe OPT, c'est 1200 personnes. Et que demain, le groupe OPT risque de se tourner vers le pays pour que l'on subventionne, à l'instar de ce qui se passe avec Air Tahiti, qu'on subventionne le courrier, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Nous étions passés par là dans les années 70-80. Et demain, si l'on ne fait pas attention, nous risquons de sortir de l'argent pour ce groupe. Alors je suis quand même soucieux de ce qui se passe, et surtout lorsque c'est nous qui réglons les dispositions ou qui annonçons les règles du jeu. Une première question à poser au vice-président sur l'article LPA, sur le grand 1, d'avoir des explications sur la durée d'autorisation délivrée pour l'opérateur en interne à 12 ans et pour les opérateurs en externe à 20 ans. Qu'est-ce qui justifie cette proposition aujourd'hui et quels sont les intérêts en jeu qui font que pour l'autre, on a une durée beaucoup plus longue et que pour l'intérieur, c'est plus court. Sur le deuxième paragraphe aussi, Monsieur le Président, je voudrais demander à ce que le vice-président nous explique comment le Conseil des ministres et sur quels critères le Conseil des ministres limitera les nombres d'autorisations afin d'assurer les conditions optimales de concurrence effective. Comment prévoyez-vous et sur quels critères, parce que là, c'est le Conseil des ministres, c'est là où on parle d'opacité, Monsieur le vice-président. Les modalités de l'appel à candidature et les critères de sélection des candidats seront fixés par un arrêté du Conseil des ministres. La question que je me pose aujourd'hui, c'est que compte tenu du parc polynésien, avez-vous déjà une idée du nombre de concurrents qui seront autorisés à venir sur ce marché? Si je comprends bien aujourd'hui, parce que ce sont ceux-là qui vous ont demandé à rallonger les délais, nous avons un, deux, bon, troisième, avec la décision que nous avons prise bas de l'aile, on en a au moins deux, ce qui fera que demain, ils seront au moins trois sur ce marché. Ils seront au moins trois sur ce marché. Mais simplement de vous demander, Monsieur le Vice-président, donnez-nous, même dans l'obscurité, quelques orientations
qui vont venir soutenir les décisions que vous allez prendre demain en matière de candidature. J'arrête là et je laisse à mes collègues le soin de poser les autres questions. Il est dit à l'article 1er, Monsieur Fitch, que la sélection des titulaires des autorisations d'établir et d'exploiter des réseaux ouverts au public et de fourniture au public des services de télécommunication se fait après consultation publique. Il n'y a pas plus grande transparence qu'un communiqué dans les journaux pour faire l'appel à candidature. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, mais vous expliquez comment va s'exercer réellement, dans le cadre de l'arrêté du Conseil des ministres, cette transparence. La première transparence, la plus importante, c'est qu'un communiqué paraisse dans la presse pour appeler les candidats à candidature. Et ensuite, dans le cadre de cet appel à candidature, il y a un dossier technique qui est retiré, et dans ce dossier technique, il y a toutes les conditionnalités d'éligibilité de la candidature. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme un appel d'offres. Bon, maintenant, si vous voulez des paramètres beaucoup plus contraints, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, vous venez en contradiction alors avec votre interpellation. En parlant de l'opérateur du devenir, de l'opérateur historique, si on lâche tout, que va devenir l'opérateur historique? Mais c'est notre préoccupation, M. Fritsch, également. Actuellement, le marché est baigné par 4 opérateurs. 4 opérateurs. On va dire 5. On va dire 5. Mais le cinquième a les autorisations, et Dieu merci, il n'a pas encore les fréquences. Mais il y a 4 sûrs. Et parmi ces 4, il y a l'opérateur historique. Dans les quatre ont tous l'autorisation, le cahier des charges et les fréquences. Donc, ils sont tous à même de pouvoir, aujourd'hui même, exercer. Il y a peut-être que Viti qui est un peu différent, parce que lui, il exploite un segment de la réglementation qui n'est pas véritablement dans la téléphonie mobile. C'est un peu différent. Mais bon, on essaye quand même d'apporter les réglementations qu'il faut pour essayer de permettre également dans ce segment d'activité économique du numérique de pouvoir continuer à exploiter sans trop craindre de difficultés. Mais il est véritablement dans un créneau qui demande une clarification et pourquoi pas un arbitrage du droit par la justice. Bon, on sait le faire. Mais notre situation aujourd'hui est bien celle-là. Elle est bien celle-là. Au niveau de l'ouverture à l'extérieur, vous avez parlé pourquoi des délais aussi longs. Ben parce que le cadre conventionnel ou contractuel est différent. Ce n'est pas avec l'autorité de la Polynésie qu'on contractualise avec l'extérieur. C'est avec des monstres. Donc les contrats sont rarement en deçà, ou en dessous plutôt, des 15 ans. C'est des contrats à 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'il y a une nécessité de rentabiliser également les charges que représente la logistique d'un câble. Notre câble, c'est 8 milliards. Donc pour rentabiliser 8 milliards, en si peu de temps, ce n'est pas évident. Et donc ceux qui acceptent de conventionner sur ce segment extérieur, ils partent sur des contrats généralement avec des amortissements au-delà du moyen terme. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons calé donc, notre réglementation pour permettre justement de pouvoir satisfaire également les contraintes de ce genre de transactions.
Le conventionnement à l'extérieur avec un conventionnement à l'intérieur se fait sur des bases, des critères économiques relativement différents. Mais je sais également, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai compris une chose aujourd'hui, je ne l'avais pas compris à l'époque, parce que le numérique, je le connais qu'à travers les gadgets, comme vous, mais je commence à comprendre qu'aujourd'hui, le numérique, c'est véritablement une nouvelle économie. Et qu'un câble, c'est comme toute plomberie, hein. Ça marche dans les deux sens. Le débit qu'il y a dans un sens, il doit être dans l'autre aussi. Sinon, ce n'est pas évident. Ça ne marche pas bien, ça dysfonctionne. Regardez les transferts. J'en dis pas plus, mais on s'est compris. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, voilà. Donc c'est un peu ça, mais à l'intérieur du tuyau, ce n'est pas de l'argent qu'il y a. C'est du débit, des bits. Ce sont des bits. Ce sont des bits. BITS. Donc il faut du flux, mais dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se branche l'autre côté, pour que le flux de l'autre côté puisse venir équilibrer le flux de l'autre côté. Et comme ça, Pierre pourra mettre son compteur au milieu et il sera content avec. Maruru maite mainasas haremei o edu africh. Monsieur le vice-président, je suis heureuse d'apprendre que vous avez enfin compris que c'était une nouvelle économie. Hein. C'est formidable. C'est vrai que tout à l'heure, vous m'avez fait un peu peur en partant dans le triangle polynésien. Mais enfin, si ça peut vous permettre de concevoir et de matérialiser effectivement tout le potentiel de développement économique que peut représenter le numérique, c'est une bonne chose. Et en parlant de flux, de débit extérieur, il y en a un là que vous allez couper là, en liquidant l'ATP. Je vous rappelle que l'ATP est sur la toile. Hein. Donc je profite de faire ce petit aparté pour vous dire que ça, c'est un des rares outils polynésiens à débiter du flux vers l'extérieur. Et c'est le premier site polynésien visité. Pour revenir à ce texte, je pense que vous ne saisissez pas notre inquiétude par rapport à la liberté du Conseil des ministres. Lorsqu'on vous demande comment vous allez sélectionner, comment vous allez organiser les appels d'offres, on ne vous demande pas si vous allez faire une parution dans la dépêche. Enfin. Monsieur le vice-président, quand on vous demande les procédures d'appel d'offres, ce n'est pas pour savoir si ça va passer dans la dépêche. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va motiver à un moment donné votre ministère à proposer un appel d'offres. Quels sont les curseurs, quels sont les critères, quels sont les documents, quelle est la base diagnostique sur laquelle vous allez travailler pour motiver votre décision d'une ouverture à la concurrence. C'est ça qui nous intéresse d'être déterminés. Parce qu'effectivement, on comprend bien aujourd'hui qu'on est dans une situation délicate où l'OPT a besoin de ses filiales pour équilibrer. Et pour rassurer mon collègue Edouard Fritsch, bien entendu, cette situation est inquiétante. Mais on a un code qui a permis l'ouverture à la concurrence. Alors, autant qu'on ne se voile pas la face et qu'on puisse déterminer à l'avance la taille du marché et donc le potentiel d'ouverture à la concurrence, qu'on sache. Est-ce que le marché peut accueillir 2-3 partenaires plus, tout en préservant la mission de service public? C'est ce débat-là qui nous intéresse. Alors, vous nous renvoyez au DOB. Bon, ben moi, j'attends avec impatience le DOB. J'espère que vous ne nous ferez pas faux bond à ce moment-là. Merci. Maruru Maite, Edouard Fritsch. Vredini. Etaoui wo itereo. Nardo et Rio Teti, Aitaka Atare Tamaido. Oui, tu es président, Yon Aho M. O. Il doit être Awaya. Et n'en est tram O, Eura, et n'en est on est Puria. Yon est tout tra Awaya, Etoru, et Piti Aure Etoru, et a te paye tout pour moi, et Amutam O et Ma. Et tu verras, et pour. Te wira ta ue anira i to tato monoperititeni.
Le conseil des ministres peut limiter le nombre d'autorisations. Ton aura et metano. Ai tu es pro ura et meino. Metano. Hamar marma maida. E hate otia. Retuita automotu a tapapara. En hen hef ari hi et tatu. Et toruane, emhane, e peane. E hate moravea. Tatato e ferurida. En hen hef a hupa. Te vera ura vea ta oida ve brizdeni. Mara mara maro ere. Ta oti at moni no rapa mai har mai une tra mota ye tererai ye fari ra to har mai une metene ra naro ta to it fati tor a tano e fan on to ta wo wi atira e ha tera vera me to patari na ta atwara wo ta ari no ita to we e hu mei tra hu paro to it we o to mota ye te e hu fa ta to ni hu tra fan hor a monopol tra te wira te tia turi ro i te me o mara 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 i tu tatou mono peritene ni hoi te tumu mo o te iu wira. Maroro mai te Edward Fritz. Po ti turat bonobo te ea turat mao. Me aro na oe te animara. Vito, te aoe. Maroro mai te peritene. Ai ta titei no wira i tu tatou whatrehau. Arau era. Pua horo me onei ti teihi or ana tatu, te proia no te 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 tatu er teiti. O haru mei ti tei mau te ete, no te tamata e whaatitu. E, mi te era, te mea tae marmara matu, mi te era, te mene te mau te ete, waini ne ratu, te haru mei onei hamoita ratu mo te ete, e whae anō rai te whahai tiria te au, tiria pa i te maa. E, te uira, taina reu i tō tatu mono pritini, jurura e ta etui te tatatu ai ta etui te trana te tur fahiti hiara e papu phara te charma e u papu e hart ora tu itramu bhai ate e tra tu fa ano it bhai a ono mona na wo te dia to ti te manon or arai e ya pa fa ano it bhai a ono tam ano ai yo ya tram o e puri ano ai onan e ore ra ratur ina e Naro e proitieta
iha o ha mai to mu to ha muni ta wai e au hi au e ora te mo o mata mu ro to pati ai da pai e he di ai pau te ai amu hi ai te nari da ai ta e ora te mo o mata mu ro to auri da pai ai ta ta o hi per di te au hi e ara mo dai e ara mo dai e ti te mo no pritini Muria, te menei te imu mana ona ora. Ai tera ue mana o e whae o e whātere heu e hapa o poe. O tō wā, whae o tō whātere heu hapa o poe. Iai hio i te mana o hare meira, mi tūru rea te ria pāheira o tō ria e hapa o poe. Oi, mea mā, mea hei tō muri mai. Tātou, anan hono e ti a au no tātou. Anan hei, a kiu e te hato tātou parau. Ara, tera mana te te uira. Maruru mai te hiro te whare re tia oero. E, maruru preteni, harime ke tapo o te arho. Preteni te aporarhei. Mano preteni e te whenua, mo whātare hau. Tato wāt o, tēnā tu te hei o te arho. Te arho e arhei. Merhei te mano e rutu i te maruru aparo. I tēne ne whae amu no, me au hi o ti tauhi ahoa e tamata i te whahare whiru ei mu e horo atu atu te teimu mana. Pahono rai te mana aho pe a tātou tātou ta e vito e tū e i mu e tātou. Ai tū e te aturi e anan hei, e rei mei whē a api hi ngā roharu mei imnei, rato i te apurar hei te mani au e tā tātou e tua tāpo pa anan hei. Ai tū e te aturi e anan hei, e rei te ui api ti hare te api rate te e hare ni e te rāmu ki ara ai oma. Ai tū e te aturi. Mon opro parou tera. Tū a tito u mon ongatana mon ongatato tato ta te reuri e whahiti meire mui tato. Whatere hau, e hā te numera o tia. Ta o tau i tau, ki tau hi a te hau whenua no te mea. Tara te anira e ai tato. E nene e tapea, no te whātupu rā, te hātito rā i roto i te mōteiete, e hiñ aro e harama i ngai kira makete. Nā ohi a meira, e maha ane teiete, pēane, e ono, e hā o tia. E hā wōparo e tāparo, no te mea i ngai te makete o te opere rā i te mōri arhau, e toru no teiete. Ai te maha, ai te pē, ai te ono, e toru. Inia i te whiwhi e wharerehi ra tātou roto i te awhata turu tā. Mura hei i ruo ke tau te. Ere nā te hau. Mura hei i ruo te mou hape tā te mou hau whenua atoa i rawe, noa tū e owai. E tātou pa atoa tara e mā uira. Inia te prau o te hameteit a teorar au te nun a inia i te maa. Weiti ia te te ia te. Inia te porau o te mau rewe uhi pa tamau a te hauwharani a harme e o tēra te muni a te hauwhenua o reiro ia. Te rea te porau. E hā te whaito o tia, ti tau ia tātou e tapea. Inia i te e makete, ai tu e papu e toru anei, mha anei, pe anei, Noto mea te e mahana, me papu, ho e ana. E tara, nā tātou. Au e tara, i ite e tātou, e hā tara mō mātini, no te e tau. Ite e tātou, e whea tute, tāna e ofaura, topa mai roto i wharerata, topa mai roto i awhata o te uwhenu. Mi tā te reuri e parauro, anan hei, e tito te e mō te e te, mi te pau, I te wheruri mai te hia, e hupa i erowe hi ara, te mou whanhora e titau hi a erowe. Te wheruri a rā, e hā te rāwea, no te amai te ira, te tere rā, o te ie te iete, ta tātou i amau pi hi a te whare rata. Te vei rei, ai ta rā e wha hupa hi ara. A whea tātou, tātou pātua o nei, e mā rōpro wei, e whare iei, e whare rō. I tā tātou whare rata, ei whare muni.
apitira te fare rata e te fare turuta. Ireira, neneia tatou e arotera mou foremoni, hatiti nora i to tatou nuna. Kera mou foremoni a te ufrani e orera e touturu maite e tatou. Tera te uira, pahonora i te e mou uira o tatatou itu. E mon opropro tra, mon o haferu di ai tatou e, te veine te mou rawe e mou e tatou. Te toe no, to tato i teito, to tato marmarama, te whare ira, e rave te hupa no teie tau, no te hi o atear a, na whea e arei te parau o te whiwhi o te nuna no anan hei. Te rā to umomon o, e nene tato, e rave te rā mo o hupa, me te pau tato i unei, te mauti a poriki tātoa, e whare i, e hi o atea, te parau o te tatara a te whiwhi no teie tau. Pari me ke tapa o te rufo iarei. Maruru mai te hiro. Hoko e horo ai tuei te mana ora tui tō tātou mono priti tini. Te wera te teipa honora ai tā oe ui rā no te rei au te mou te iete, penen he e tomu mai o tātou, ma te hi o no atu tātou i te whenua frāni. Whenua frāni e toru te iete papu, hitu ahuru mirio ni tāta tāniuniu, e i te mhana u whaari hia te maha. Ai ti arai hama tātou rei tāna hupa, tra te hi ora e te teipa honora ai tā oe ui rā. Mono prekiteni, tia oe. Maruru mai te prekiteni, tēnā atu i te mautae, no tau tō mō manawa. Te prauturo vau rutu i tau mō tatarara. Te hopo i a mātā mua o te whaterera, te prau i anō te patūr ai te ture. Patūr ai te ture. Haramai te piti, hopo i a te rira, tā te apura arhei tēnu atu, tā te whātere rā o te whenua e amo nei, te parau no te paruru. Paruru rā. O raweho nei, tō tātou tā e whātere heo i te pē no te numerar afofa, i te tei paruru rā i te parau no te ohiparu tui tō tātou whenua, taparahi e te rira ka oro. Haramai nei hei tō tātou whātereheu mā tāmua pretiteni tō tō apurarei te e mana oe auru. No te paruru rā i te parau, no te ie tumu parau tā tātou ahi te honei, taparei tō hia kā oro. Te aura, no te pahono rā pāpū i te e mana anor tō mai o tau. Nā vai e horoa i a tātou te tāreni, no te whaiter a e, e toru anei, e mhā anei, ho e noa anei, aure rā aita. Tei e pūtāu prautura. Autorite administrative independent. Nona trahopuia, e hi onat makete. No te whātiti e wharo te tano tano rā o tau a makete rā. Ia ore ho e roto i rātou, e ere, e mairi. No te mea, ai te roa i ana, i te amu i te rira. E whaara ona, e whaara ona, i te mana whaatere, mi te peu e wharihia, e whiwhi te makete. Iria mātou, e raweit whautira. Trāt whanora. Je vous explique tout à l'heure, que dans l'ordre normal des choses, il faut réglementer, il faut réguler et il faut protéger. La réglementation relève de l'autorité exécutive. On fait la réglementation, on construit la réglementation. La protection relève des deux autorités, vous et nous. Vous en ce qui vous concerne et nous en ce qui nous concerne. J'ai rappelé deux exemples. On a protégé l'emploi, on a pris une loi de pays. On sait ce qu'elle est devenue. On a essayé de protéger le marché. On a pris une loi de pays, le marché du numérique. On sait également à quoi s'en tenir aujourd'hui. Alors, dans la structure normale organisationnelle de l'équilibre économique, il y a ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes qui sont là pour réguler le marché. Et donc, ils sont
un opérateur qui va, une autorité plutôt, qui va informer l'autorité publique du risque qu'encourt le segment de marché concerné si éventuellement on autorisait. Ce n'est pas eux qui vont prendre l'autorisation ou refuser. Ils vont seulement donner une indication. Ils vont dire, faites attention, si vous lâchez le nouvel opérateur, vous allez déstabiliser le marché. Ensuite, dans le cadre de la réglementation que je vous propose, nous, on prend un arrêté. L'autorité exécutive que représente le gouvernement prend son arrêté. Mais cette fois-là, à partir d'une information neutre, donnée par une autorité neutre. Et c'est ce que nous allons nous attacher à mettre en œuvre, de concert avec le ministre des Finances, parce qu'il faut que ce soit la même autorité, sinon ça va nous coûter trop cher. Si on fait trois autorités différentes, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Autant mieux faire une entité commune, avec bien entendu des départements différents, parce qu'il faut quand même des connaisseurs de la matière pour pouvoir œuvrer à l'intérieur, et ensuite apporter une indication neutre, mais on va dire qui va permettre quand même au gouvernement de pouvoir se positionner par rapport à ce que vous venez d'évoquer, si on autorise ou on n'autorise pas un nouvel opérateur de pénétrer le marché. Donc voilà essentiellement comment on compte s'organiser dans le cadre du gouvernement au niveau de cette opération. Te faya pat oi. Te faya fa em hu ore no. E fe? Piti a huru e mamha. Wa manat irava mata mua. Irava numero piti. Donc, article LP2, l'article D212-22 du Code des postes et télécommunications est modifié comme suit. Petit A, article LP 212-22, petite B, à l'alinéa 2, le terme demandeur est remplacé par le terme titulaire. Maruru maite, te maitira tato, koya maitira, wamana, yerevan waraturu. Article LP 3, les dispositions des articles LP 212-10. Et LP 212-22, ci-dessus, entre en vigueur à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays. Les dispositions de l'article LP 212-10 s'appliquent aux autorisations et aux renouvellements d'autorisations délivrées après le 1er décembre 2007. Les dossiers de demande d'autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau ouvert au public et ou de fourniture au public de services de télécommunication déclarés complets par le service des postes et télécommunications antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi du pays demeurent régis pour leur instruction par les dispositions du Code des postes et télécommunications dans leur rédaction antérieure aux dispositions de la présente loi du pays. Maruru maite te maitira tato, koe maitira a, taratoru huru maho e ta oe ani meira. Piti ahuru matoru te tapura amui, e ono te mana o tubo mutu, piti ahuru maio. Harumei e o mea minari ingal no, toru huru, harumei e o Sandra Levi Agami, toru huru e maho e, e hatua ia ta oehin aro rau pātia hi ata mao. Maruru, te maitira tātou ni. No, tau no hina aro e parau i tātou. I hi ovo ia oe, i hi ovo ia xeros. I manato oe, i manato xeros. Ie hiu o ia oe, ie whaohupa oe ta oe mana, eitu e tau o meire i mātou. Ie whaotina oe toru ahuru maho e noa tūtira tō mātou i te poiri. A teira oe tātara mai e, nā aru e haa maruru mai te ia oe. Nā aru rau e pro iashe eros. Tara pro tāna arau e hone. Ia e whaea tātou i te hiu i muri.
Mite peue, wo pato hia tata to ture no te parurur ai te tiara hupa. Hey, tato to o tape te papa ira ai tata to ture. Hey, ya ya bra wen ne ne ne. Tara mo mana, tiro toi to tato uri mai te ye mana. Wo hape tato, tata i tata to hape, atu mai to e ture api. Te mai tia tu nei mato. Ahiona, ai tia te ture i te amai. No te hawa e parau tue, no te mea e mana no utera, e i te mo ue pari ei, no te mea o tatarahi e tau ture e ue no oi tupo e no oi tau awa, haita. Te proro e atoni, te reheira a o te mo taiete, en hen he e hatupuhia no tatatou vini, tirotoi to otourima, i hae ti eitra otourite, e hatra otourite tāoa, te ti eira oi awai. Mi te peo tia iau a ia Pierre Frebo, te pro tūne iau, maunga te taimei te tia ira. No te mea, mea rhiru a tāna uhipa, te numara ar ona, iru toi toi awhata i te muni. Hei, wa tai o e nao e te muni, iru toi toi awhata i te muni. E i toi e tātou i te pō, i hao e tia turi ana, mi te peo e tia iau e te tia tumu whātere hau, ai tu e te hatarato uhipa ira vera. Ai te uhipa mai tei. Norira, Tony, mi te peu e hina aro otou, e whaoti e toru e taiete a whaoti. Tō tātou hape, ai tō e praure hape no mea. Tō tātou hape, e praumau, me tano i e whaatiti e whorohia te i e ture, kod de posta tātou. Trātou e mea o te i muihia, roto i tera kod de posta mātou i ha amau 2003. Mere? O i e hoi te tāoti ara, me no te hā tātou, inha, e mana no tātou, no te ha tātou e ore e tāotia. Mi te peu e tū tātou te tāwahai tēne, i muriso e tāotia e, ua torotā nā ria mai o mea mana. Tarae mo, e tōna i pātou i tōhoa, e hohoa tano te rā. No te mea, i tomo mai te mo, e i tōna i tia i e pātia o e tera mo, mā tā mua, no te whaau mai te piti o te mo. Tarae tāne e moere, no te mea, ei, i whakarawa i ona, no tāre te teme e toru hora pai. Poti, i te iemhana o tāpuhia tāna muni āpā, ai te muni wa hauro te o te, ei, te mori, i te one harwa hoi te mumhana ato, a te motorumhana one harihi oe tāna aua ia, ua pouta aua ia ia, e toru mao toroto. Ei, te api ir ai tātou, ei, se aportan o te rā mea, i ha tātou, i arātei, tā tātou mise en concurrence, i fo parate la mise en concurrence, la population attend beaucoup de cette mise en concurrence. Notre mère, tout ton offrirait à etopa te moniho, etopa tatato vini. Monir hei tatato vini te imhana. Mite peo e tatato eara, e mate ro. Maruru. Morira, yao toi noi nome. Faiam huore no mato, notre mère, tout ta mato hi ora, ero toi te ieture. E ha amo hi oto, promo te veida pate te mo wahir i mate tei. Norato. Me toita matohi ora ai te awharomai te. Maruru. Maruru, hiro te wharere, e o te mai ti ei tatu. Ai te paho no raho ata te e tō tātou te. Te mhana, o marmarmaru o eha te tumo tō tātou preteni teito tongsong i tue te ohure te reo rei rapa. Oe, o tāu o te marmarmaru o e tēnei. Ehi o nā o tātou wātou marmarmaru. Maruru mai te, ai tōe maramaruma mai te era, nā oe haupapu mai, e vito, o maramaruma oe? Maruru peteni, o maramaruma tō tō tātou tai e. Ai tera oe maramaruma, te vahe ai tōe maramaruma, e hao nei whae mu ore noa. Te ria te vahe ai tōe maramaruma, mi te piu e no tupato ino no tupato i. Te ia tātou e, arera e whae mu ore noa no whae mu ore noa. Te mea, i ara uera, te rei au, tōna mana o iaru era, e pato i eiti e mana e veireretu i tō tātou wātereha. I te e teime, e parauro one, te mana tirito i a oe whaoti mai. Ai tātoro o e tāwa hau e hare rā tātou hi. Ngere o e parauro e ani aho i tūtae, ai, a paturu mai te e whanon hō rā tātou. Paturu mai, e hamata rā ohi pa te iena tātou. Paturu mai. Maru peritini. Maruru mai te etmera apora hei rapoto, ti au erat mana hopea. Voto te ei te tamai tenei no te hati tumu o nei manye niai. Taura hi ori e manye nei naone e tōna bahai te uhuro tumau.
Maruru, Maruru, te maitira tato. Fea fari, oe maitira, womana. Ite mea e ture fenua, e maitira ta e tatia, e ani eito tato pape praurhei. Yap ito toi oa ya maiti. Madame Algoema, abstention. Monsieur Alpha Théari, Monsieur Alpha Théari, abstention. Madame Birk Sabrina, Madame Birk Sabrina, pour. Madame Bob Dupont-Tamara, absent pour grâce à Monsieur Damas Soutier, pour. Monsieur Bissou Jean-Christophe, Madame Brodin Rosine, Madame Chavé Daphné, Madame Cross Valentina, absente pour grâce à Monsieur Ruben Térématé. Monsieur Jacques Hidrolet. Monsieur Flos Gaston, absent pour grâce à Monsieur René Téméaro. Madame Frébaud Joël. Monsieur Fritz Edouard. Madame Gallon Minari, absent pour grâce à Monsieur Jacques Hidrolet. Monsieur Anderson Georges. Madame Irchon Nounoutéa. Madame Iriti Teura, absente. Madame Isal Heifara, absente pour grâce à M. Théari Alpha. Madame Jennings Tétonne Patricia. M. Cocté Benoît. M. Comitini René. M. Lison Marcelin, absent pour grâce à M. Mita Tempaya. M. Mamato Yutapu Victor. Madame Manute Leviagami Sandra. Madame Maria Emma. Madame Maria Emma, abstention. Monsieur Maraïla Teina, absent, procuration Madame Parker Eleanor. Madame Marie Draghi, Meroto Liliane, absent, procuration Madame Fribourg Joël. Madame Matawa Lioni, absent, procuration Monsieur Benoît Cauté. Monsieur Matawa Mayron. Madame Mati Juliana. Madame Merceron Armel. Madame Olivier Marise, absente pour création à Madame Patricia Tétouni-Jennings. Madame Opa Afouanik. Madame Parker Eleanor. Monsieur Paulietti Kinoui, absent pour création à Madame Maïna Sage. Monsieur Rapoteau Jean-Marius. Madame Richton Monique, absente pour création à Monsieur René Comoutini. Abstention. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Monsieur Romataro Fernand. Madame Sage Maïna. Monsieur Chil Philippe, absent pour création Madame Brodien Rosine. Madame Tama Françoise. Madame Tani Thérèse. Monsieur Tonso Robert. Monsieur Djuntouroro, absent pour création Madame Chavi Daphné. Monsieur Tefari de Hiroiti. Monsieur Temeharo René. Monsieur Térématé Ruben. Monsieur Teripayamita. Abstention. Madame Teruatea Sylviane, absente pour création Madame Maraya Emma. Madame Tétonou Ilana, absente pour création Monsieur Edouard Fritsch. Absent. Madame Théora Justine. Monsieur Tonson Gaston, absent pour création Monsieur Tonson Robert. Monsieur Toahou Ismaël, absent pour création Madame Annick Opa. Madame Touchobillard Catherine. Monsieur Outia Damas. Madame Béatrice Vernaudon. Monsieur Clarence Vernaudon, absent pour création à Monsieur Myron Matawa. Toro huru maho e reo i whaari i, piti e huru ma toru reo i whaia muhu o renu, e toru tātai te maiti, no rira ua mana te e nei ture whenua, maruru mai te ei, te mono pretite. E rawer hei, mō mero aporar hei te iani ia au e whaatai mei tata toru rura i te te. Te mea e oro ata e na te te whaaro e o teito tātou whenua. Te anine iau ia tātou, whaari mei o teite e manau, vai ho tātou i tā tātou ohipa, no anan hei a pau pau, horaiwa. Maruru mai te ai, wa tūt manau te tātou ara, anan hei a pau pau, horaiwa. Maruru mai te ai, iorana.